Et nous consommons 7, production 2. Ok. Taille de la planète. Et ensuite on voit c'est ce qu'elle produit. D'ailleurs, tu peux faire plusieurs bâtiments en même temps ou pas? Salaire. Salaire, ok. Attends, je clique. Ouais, a priori, oui. D'accord, ok. Bah tiens, pouf, je lance un. Ah non, file d'attente. Ah, ah file d'attente. Ok, bah c'est bon, ça va. Vue de surface, voici une présentation. Ça, tu me l'as déjà dit. Journal de bord. Ça a coupé. Ah bon? Ah, pendant le jeu n'a pas planté. Non, non, mais, bon, mais c'est sûrement Twitch qui veut mettre une petite pub pour faire des sous. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a trop de monde en fait. Histoire. 80 personnes un matin, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est le charisme de leader. On a le jeu pour. Ah, merci Benoît. Du coup, on est plus prioritaire, on a. Putain, c'est moche là d'un coup. Le système Belgica était entièrement sondé. Ça va, c'était pas très grand. Un leader est passé au niveau supérieur, le leader scientifique. Par contre, moi, c'est Mundus Bellicus, y a pas de Twitch là. Refresh, moi l'image est revenue. Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Par contre, la qualité est très mauvaise. Non, mais c'est bon, en fait, tu peux la changer maintenant. Comme on est assez nombreux, on peut la changer. Cool. Du coup, merde, il est où mon vaisseau? Ah bah attends, normalement je peux le retrouver. Non, c'est ici. Cool, on peut mettre la qualité à fond, c'est génial. Mais le truc, on va pouvoir baisser la qualité à fond. Oui, mais Google, je t'ai déjà dit, t'as fait une connexion. Non, non, le problème c'est juste qu'à partir de 21h, ça passe plus quoi. Mais t'as le temps. Est-ce que je vais sonder le système où il y avait des poulpes de l'espace? Bah bien entendu. Peut-être pas tout de suite. Mais bien entendu, leader. Alors, reconnaissance du système. Allez, pof. Je pense qu'ils vont s'activer, quand tu vas les rencontrer. Eh, ça ressemble à quoi ta galaxie? Bah en fait, j'ai pas encore dézoomé. Tiens, c'est vrai que je sais même pas où je suis dans la galaxie. Dézoom, oui. Comment que... T'as le bouton en bas à droite, là, non? Ah sinon, le dézoom marche, hein. Tu me trompes pas, en dézoomant ça. Avec la molette, on peut pas dézoomer plus que ça, donc après je. Hein? Sinon, t'as le bouton en bas, ouais, en fait, ta galaxie bas, là. C'est en bas à droite. À côté du système Bélésir, là, au milieu. En bas à droite. On cherche. En bas à droite. En bas à droite au milieu. Merci. Ouais, non, mais c'est à droite, c'est à droite du milieu, tu vois. Enfin, c'est au centre. Carte de la galaxie, MOE. Ah, voilà. Non, en fait, Lugong, généralement sur les GPO, on peut choisir qui était. Ok, j'avais pas fait gaffe. Pour moi, je n'avais pas. C'est la deuxième fois que je remarque qu'on pouvait changer ça. Ça c'est la première fois. Je suis arrivé dans. Ah bah, il y a plus les poulpes de l'espace, ils se sont barrés. Bah, ils t'ont pas attendu. Tant mieux, ils me faisaient peur. Mais en fait, les poulpes ils se sont dit oh là là, ils sont trop divins, nous sommes inférieurs, il faut barrer. Il faut les convertir. Hérésie. Bâtiment inactif. Ah d'accord, il me demande de raser les bâtiments inactifs, donc les taudis et les zones industrielles. T'as le système de propulsion de base ou pas? 30 personnes. En fait, t'as le choix entre trois modes au début, et on a pris le plus simple pour commencer. Okay. Le mode, comment on pourrait dire ça? Le mode Star Wars, quoi. Tu te déplaces en vitesse lumière d'un système à l'autre. D'ailleurs, j'y pense, leader. Oui. Quel est le nom de ta religion? C'est le seul truc qu'on n'a pas choisi pour le RP, mon petit bon de religion. Aucune idée. Manix, trouve-nous quelque chose. De quoi? Le nom de la religion. Le nom de la religion, mais la Sainte Frite. Pas mal. Alors, du moins, c'est pas nous qui l'avons créé, mais. Alors, lueur métallique et capteurs indiquent la présence de substances intéressantes sur la surface interne d'une planète. Bon, vas-y, recherche. Peut-être faire un deuxième vaisseau scientifique, du coup. C'est où qu'on les produit? Ça doit être ici. Mince. Plutôt là. Construire. Vaisseau scientifique. Ah, Hostile Fleet Detected. These are unknown spacefaring entities. We can learn more about bien ce jeu, c'est qu'il y a pas mal d'événements. Bon bah ouais. Écoutez, c'est officiel, hein, j'ai pas commandé. Faible. Ouais, je sais. Attends, décompression de la distorsion, enquêter.
Par contre, j'espère juste que j'ai pris le bon lien pour Mundus Bellicus. Nous verrons bien. Bah, vérifie. Bah, non, mais s'il n'y a pas ton nom, t'es viré. Voilà. Je peux pas vérifier. C'est réfléchi aussi. Déblayer les taudis, paf. Ouais, et puis il y a un peu trop d'achat. Il y a pas un peu trop d'achat, donc je peux pas. C'est où? Ah, c'est au nord maintenant que j'ai détecté du mouvement. Alpha menace. Sur le chat. Ouais, tu le relances de temps en temps et moi je relance le forum. Alors, l'officier scientifique m'a remis un rapport détaillé sur les richesses géologiques de Bélésir. Apparemment, le passé tectonique singulier de la planète a permis à de nombreux minéraux intéressants de se concentrer près de la surface. Youpi. Ah ouh, j'ai trouvé un joli système avec un gros champ d'astéroïdes. Vaisseau alien Alpha Menace. Oh, génial ça. Ah, ce sera stylé des batailles là-dedans. Construction terminée. Alors j'ai un deuxième vaisseau scientifique. On va l'envoyer là. Pourquoi je peux pas? Nécessite un scientifique. Ah, le vaisseau scientifique n'a pas forcément un scientifique avec lui. Assigner un leader. Ah ouais, d'accord. The leader's tab lets us hire, dismiss and assign idle governors, scientists. J'ai 31 ans, 34. Bon, pof. Tiens, leader, tu peux dézoomer au maximum pour voir à peu près la taille de la galaxie? Ouais. Voilà. Ah bah, je suis dans le au sud du noyau. J'ai pris une galaxie moyenne, 600 étoiles. Oh, il y a déjà de quoi faire. Donc, ouais, sachant que ça va de 150 à 1000. Tu n'auras pas le dilemme, hein, Arsenic. Tu pourras regarder l'épisode 3 toute la journée et à 18h, boum, t'arrêtes tout et tu fais Stellaris. Reconnaissance du système. Ouf. L'épisode 3 de quoi donc? Ben, de quoi donc? L'épisode 3, lundi. Ah! Game of Thrones! Ah, j'ai même pas encore regardé l'épisode 1 et 2, je les ai juste téléchargés. Bon, ça, bah, c'est comme ça qu'on vit d'un Twitch, non? En spoilant. Hein. En spoilant Game of Thrones, ouais, c'est vrai que c'est la bonne méthode. On ne spoil pas. Par contre, j'ai une question sur le jeu, parce que j'ai pas tout suivi. Dans la plupart des 4X, en fait, plus tu t'éloignes de ta capitale, plus t'as un malus de loyauté. Est-ce que ça sera pareil dans Stellaris? A priori, il y aura un système équivalent. Il y aura un système équivalent parce que les populations peuvent changer d'idéologie sur les colonies que tu peuples. Okay. Et elles peuvent du coup former des sous-factions qui réclament plus d'autonomie, voire l'indépendance. Alors, ah merde! Conditions anormales. En analysant la surface de blablabla, exploitation de planète nous amènera sûrement à découvrir d'autres anomalies. Votre vaisseau scientifique a rencontré une flotte de vaisseaux aliens hostiles dans le système de Bélésir et tente actuellement de lui échapper. Ah merde. Ah bah il s'est enfui. Ah bah j'ai raté les courses poursuites. Il y en a qui disent dans le chat pas. Que tu as mis un de tes scientifiques dans un de tes vaisseaux. Oui, j'ai mis un scientifique dans un vaisseau de recherche, sinon on pouvait donc pas aller il faut explorer. Un parce que sinon il n'y a plus de recherche. Voilà. Ah, il n'y a plus de recherche mère. Sur ta planète mère en fait, il n'y a plus de recherche. Ah merde, mais je crois. J'ai pris, comme par hasard, j'ai pris celui qui faisait la recherche. Oui, c'est ça. Ah merde. Boulette. Ah bah, boulette frite, c'est bien ça. Est-ce que le vaisseau a été endommagé? Ah bah du merde, j'ai pris le leader de l'autre flotte scientifique. Occupé, ouais. Tu
Occupé à diriger la recherche ingénierie, occupé à diriger la recherche société. D'accord. Et c'est pas écrit où il est affecté? Si, si, si. Ah, si, c'est écrit. Occupé à commander. Alors, il faut que j'en recrute un de plus. Je peux changer le titre, ça vous dérange pas? Le titre du Twitch? Ouais. Non, tu veux mettre quoi? J'allais mettre Stellaris au début et puis la Sainte Frite à, la... à l'attaque de l'univers ou je sais pas. Voilà. Du coup, il y a moins de... Point de coq, le vaisseau est intact. Tiens, va m'explorer Biltrius. User left your channel. Par contre, sa première rencontre extra-galactique et on lui tire déjà dessus, ça promet pour la suite. Mais c'est les poulpes de l'espace, ils sont pas friendly. Attends, il s'appelle Belgica, quoi. bon, hein. Du coup... Contact. Ouais, pour l'instant, je n'ai pas rencontré d'autres civilisations à proprement dites. Constructeur de vaisseaux. Ouais, je crois que j'ai pas grand chose à changer puisque j'ai pas vraiment développé de technologie militaire. User joined your channel. User joined your channel. Alors actuellement j'utilise des propulseurs chimiques. Plus 10 de chance d'évitement. Ouais, donc c'est les chances d'esquiver les tirs. Oh merde, j'avais pas vu les modos spectateurs, du coup j'ai pas voté pour eux. Oh bah voilà, c'est effectif. C'est effectif, c'est alors, bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, j'ai précommandé, voilà. Dans ma édition, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, j'ai trouvé un monde à 20% d'habitabilité, quand même. Alors, on peut coloniser ou terraformer. Alors, nous pouvons coloniser une planète pour élargir les frontières de notre empire et gagner plus d'espace. Tu vois, on voit le mec consensuel et. Et celui qui ne l'est pas, bah, dit que ça. De quoi? Les musiques du jeu sont bonnes. Bah, comme j'ai baissé le son, j'ai pas vraiment fait gaffe. Bah, elles avaient l'air assez. Assez jolies. Bah, tu peux faire des informations de toute façon. Mais il faut une technologie. 0. Y'a que des mondes pourris dans... Ah, ça y est, 80%. Nécessite un vaisseau de colonisation. Ça y est, j'ai trouvé un monde. Allez, bon midi à tout le monde. Un monde tropical. A plus. A plus. System survey complete. Et finalement, on vient d'un monde quoi, nous, tropical? Ah, oui, tropical. Tropical, le monde de départ. Ah, les modos sont à égalité avec Raptor Juice. Posture de la flotte. Près de Chuck Norris. Et des Belges, parce que faut regrouper tous les votes ensemble pour les Belges. Non, en fait. On s'en fout. Construire une station de recherche, construire une station minière. Je peux la mettre où je veux, la station de recherche? Déplacer ici, construire. En fait, d'ailleurs, tu peux choisir le type de monde, on s'en fout de ta race, tu choisis après. Déplacer ici, il demandait quoi? Il demandait si chaque race avait son type de monde. Ah non, tu customises entièrement ta race et son départ. C'est-à-dire que tu peux décider que tes oiseaux ils démarrent sur un monde arctique. Et automatiquement, c'est censé qu'ils sont adaptés à ce type de climat.
C'est des pingouins, quoi. Ouais. Du coup, difficile pour faire des trucs avec leurs bras et tout, mais bon, ça... Ouais. J'essaie de... J'essaie de faire des trucs à mon vaisseau de construction, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Il y a un système de fort qui remplace les forteresses de U4. Tu lui fais des stations de défense spatiales. J'imagine que ça doit être plus ou moins l'équivalent des forts au pif. Hein. Par contre, la question que je me posais, c'est est-ce que si tu détruis pas les stations, tu peux quand même débarquer sur la planète ? Enfin, même si c'est un peu obligatoire de les détruire, parce que les stations, ils ont quand même de l'autodéfense. Parce qu'ils vont tirer dessus. Ils ont sûrement beaucoup de portée, les stations. Alors, au fait, donc, je suis parti quelques minutes, qu'est-ce qui s'est passé ? Faites-moi un petit résumé. Pas grand-chose, je suis en train d'essayer de comprendre à quoi sert le vaisseau de construction. Alors, c'est pas mal, quand tu fais un clic droit sur les planètes, ça te met la liste de ce que tu pourras construire. Là, c'est déjà ça. Ça doit servir à construire les bases spatiales, justement. Ouais, peut-être les spatioports pour commencer, les stations de recherche, ce genre de choses. Ouais, mais justement, j'ai cliqué sur station de recherche, et après, je sais pas trop, en fait. Ouais, mais en fait, est-ce que tu peux pas la faire que sur certains points bon, type, tu dois avoir des emplacements. Hein. Oui, tu dois avoir des emplacements. J'ai non identifié. Flotte hostile présente. Ah merde. Dézoome bien, normalement t'as des petits icônes où justement tu peux placer certains bâtiments, je crois. Si je dis pas d'annerie. Sur J-Gaming, c'était ça. Ouais, genre les trous noirs, je crois. Ouais, les trous noirs, ce genre de choses. En fait, t'as un petit icône qui est grisé un peu à côté de ta planète et tu vois qu'il y a des emplacements normalement. Alors, s'il y a un tuto, leader à activer le didacticiel le plus complet possible. Et mais par contre, je crois pas qu'il y ait vraiment. Non, ils font plus de tuto Paradox, ils ont abandonné. Maintenant, en fait, si vous voulez faire des tutos, faut aller sur YouTube ou Twitch. J'ai pas dit que c'était faire un tutoriel pour marcher le cas. Station de recherche, non, station semble, minière pour exploiter les ressources qui s'y trouvent. Je m'en rappelle pas. Il me semble avoir entendu parler de ça. Alors, il y a que les stations militaires qui peuvent être construites n'importe où. D'accord. Et le reste, ça doit être sur des. Sur des emplacements de ressources adaptés. Okay. Ah, c'est bien. Et les stations militaires, je crois que. Construire une station de recherche, c'est bon. J'ai trouvé une planète qui s'y prête, j'envoie le vaisseau. Et elles augmentent ton influence ou pas les stations militaires ? Ou elles sont juste là pour protéger ? Ah, alors là, tu me demandes quelque chose d'un peu trop complexe. Objet non identifié détecté. Ah, propulseur ionique a été débloqué. Nouvelle recherche. Matériaux nanocomposites, c'est un nouveau blindage. Avant-poste spatio intersidéraux. Qui permet de construire des plateformes de défense. Et à construire à l'écart des puits de gravité d'une planète. Missile nucléaire. Non. Missile nucléaire, oui. tu penches ? C'est bien pour convertir les missiles nucléaires. Oui, pouf, missile nucléaire. Ah, le missile nucléaire, c'est l'arme divine. Hein. Ah, la physique aussi, j'ai terminé la recherche. IA administrative. Ah oui, mais ça, il paraît que c'est pas bon. Vitesse de recherche plus 5%. Ah oui, mais c'est tentant. Énergie fusion. Un nouveau réacteur, le réacteur à fusion. Et la gestion globale de l'énergie qui augmente les capacités de stockage et donne une nouvelle centrale. Bon, niveau énergie, normalement, j'ai besoin de rien, donc je vais partir sur l'IA. Pour le meilleur et pour le pire. Le dieu missile. C'est beaucoup mieux. Oula. Renseignement hostile, nous avons précédemment rencontré des hostiles dans ce système. Ah merde, j'ai un vaisseau scientifique qui s'est fait péter, ou alors qui s'est enfui. On a commencé en 2200, non ? On commence en 2200. Ouais, 2200, 1er janvier. Hostile fleet dans mon système. Je crois que c'est des pirates normalement au début, non ? Ah non, ça va. Ils ont traversé en fait. Ils ont traversé en vitesse lumière ma zone de sécurité, mais ils se sont pas arrêtés. Ils vont faire demi-tour maintenant qu'ils ont compris que t'étais là. Les gens ils ont dit oh mince, qu'est-ce que c'est que cette espèce ? Et toi tu vas arriver, je vais dire partez, bande d'hérésie.
Du coup, reconnaissance dans ce système. Hop. C'est quoi la sorte de gaz qu'on voit là? Ça donne un malus ou un bonus? Le gaz un peu jaune. Là. Je sais pas. Si, je sais pas non, je pense que jaune. Le rouge c'est vraiment sa zone d'influence. Ouais. C'est oui. Sa zone de. C'est ma contrôle direct. Sa zone d'influence. Et la jaune, ah oui, attends, bah, je crois qu'il. Attends, il y a. La jaune, ça doit être ta semi-zone d'influence. Et ça correspond à quoi? C'est la portée du capteur, a priori. Ok. Quoique, attends, détaillé, oui, moyen, oui, bas. En fait, en fait, la truc jaune, je l'ai vu sur JGaming, c'est où tu peux, où peuvent aller ton. Quand tu fais un super saut, en fait. Tu peux aller jusqu'au truc jaune, en fait. Ah, oh. Terminé la construction d'une station spatiale sur Mius. Ok, bah on va construire autre chose. Et sinon, elle coûte 1 d'énergie en entretien. Hop, il va falloir que je fasse gaffe à mon énergie, j'ai plus que plus 2 en gain. Entretien de l'armée, entretien de la station, entretien des bâtiments, entretien du vaisseau. C'est là que t'as recherché son énergie, intéressant. Ouais. Ouais, elle va devenir importante. Alors ici, sur le Twitch station de recherche. Qui te conseille, leader, de choisir tes recherches suivant le chercheur que tu as. Il te donne des bonus par rapport à des recherches spécifiques, mais sans tout. Oui. Donc, c'est un peu comme dans Overwatch. Donc je relève juste ce qu'il dit. Ah, vous me demandez de commencer à devenir technique, c'est ça? Ah ouais, mais faux. On n'est pas opti hein, ici on joue. Contact. De toute façon, on joue en Iron Man, donc c'est fait pour moi. Voilà, on n'est pas opti. Ici, on met 14 gouvernements pour une seule planète, tu vois. Alors, on est tous ensemble, on joue belge. Et on est bon là. Et Manix, notre dieu. Et puis de toute façon, à la fin, quand t'auras un empire, t'auras une division entre flamand et wallon. Alors, pour l'instant, au niveau des bonus, je vois, ils ont un bonus de recherche brute qui doit dépendre de leur expérience, puisqu'il y en a un qui a plus 7 alors que l'autre a plus 2. Changer la recherche. Bah, je regarderai si j'ai d'autres gammes plus adaptées, mais ils ont pas l'air d'avoir de spécialité dans un domaine pour l'instant. Ils ont exploré nos étoiles avoisinantes, il est probablement le temps de développer notre influence. Les avant-postes frontaliers peuvent être construits en orbite autour d'étoiles distantes pour élargir nos frontières, nous permettant principalement de revendiquer de nouvelles régions de l'espace. Ah oui d'accord, c'est comme ça qu'on revendique, tu construis une merdouille en orbite autour du soleil et le système est à toi. Ça me fait penser à des histoires de drapeaux qu'on plantait dans le sol pour revendiquer une île, tout ça. Ah ouais. Et l'année, c'était pas 1500. Entre autres, oh, pas que. Oh, il y avait les années 1000 avec les Vikings, tu diras. Mais je sais pas s'ils avaient planté des drapeaux. Ce bâtiment, et ça bloque totalement pop. Le système ou ton voisin peut venir t'embêter et coloniser une planète, du coup? Bah, à ton avis. Ah, j'avais pas mis de pop sur la centrale énergétique que j'avais construite, c'est pour ça qu'elle produisait pas grand chose. Tout s'explique. Terre industrielle, désolé. Je vais te déblayer toi aussi. Et du coup, j'imagine que. Enfin, on voit où la croissance de la population. Parce que j'imagine que quand ça croît, on a un personnage de plus sur la planète qu'on peut déplacer où on veut. Ça me semble logique. Ouais, mais où est-ce qu'on voit la croissance? Je sais pas encore. Après, peut-être que la croissance, en fait, c'est juste ton surplus de nourriture. Si c'est comme un sieve, ça serait que de ce côté-là, ça y ressemble beaucoup, probablement. Alors, bah tiens, regardons. Un surplus de nourriture augmentera le rythme croissance des pop, alors qu'une pénurie les rendra mécontentes. L'effet de bonheur sera mis à jour au début de chaque mois. De la nourriture additionnelle peut être produite en construisant des fermes. Donc ça confirme ce que tu disais, Benoît. Et population actuelle, 8 sur 11. Et je suis à 38% de produire une 9e pop. Concevoir, Didier, concevoir. Ouais. C'est vrai que je suis pas matérialiste. Concevoir. Il faut être RP. Ça progresse à 2,2% par mois. Donc là, ouais, c'est un côté très civilisation au niveau de ce système.
même temps, c'est un gros mix de tout, hein. Ouais. Stellaris. T'as vu le Strompol, Benoît? Hmm? T'as vu le Strompol, Benoît? Alors. Oh là là. C'est quoi le Strompol? Ouais. Enfin. Gouvernement, déjà, un gouvernement, deux gouvernements. Belgique, il faudrait avoir un gouvernement. T'as peut-être une mettre l'option 0. En fait, c'est les gens sur Nuit debout, ils en ont marre d'être debout. Ils se sont mis devant Stellaris. Construire. Centrale électrique, ferme, laboratoire, scientifique, basique. Pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Silo à minéraux. Là, c'est juste du stockage. Non, bah, je crois que Manix, tout le monde vote 4. Hein. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est pas possible. Hein. On t'as vu la couleur, pas ça, il vote ça. Puis t'as vu la couleur directe rouge. Ouais. Ah. Ah, c'est-à-dire que ton idée mène au communisme. Une Belgique communiste. Je vais monter à vitesse. Pour faire un passant rapide. Sont d'accord pour trois gouvernements. Il doit avoir ouais, quelques Belges dans le tas. Hein. Tu penses qu'à fond ça marche bien bah, si ça reste fluide, je pense. En fait, je pense qu'il faut vraiment attendre que t'aies toutes tes planètes et qu'après l'IA gère le reste en fait. Et que là, je pense que le jeu entre un peu en mode un peu plus no brain. Il a fini de construire ? Là, ouais. Tu vois, il y a encore beaucoup de micro-gestion sur son truc. Alors, construire une station minière. Pouf. Je revendique le système de Mius. Le Twitch te dit que tu peux améliorer tes bâtiments. Ça, je savais qu'on pouvait les améliorer, mais j'ai pas fait gaffe que moi je pouvais à cet instant. Est-ce que c'est la petite flèche? Améliorer ce bâtiment, effectivement. Ah d'accord, on a une petite flèche jaune dans l'angle. Ben, j'ai besoin de plus d'énergie, donc celui-là. Centrale électrique de niveau 2. Pouf, c'est en cours. C'est bien, quoi. On sait que l'énergie est importante au début. Ouais, c'est ce qu'il disait. T'as bien fait de faire ça. Hein. Ouais, apparemment, enfin, mais même tout le temps, quoi, c'est dur apparemment d'être bon là-dedans, quoi. Ouais. Ça demande pas mal d'investissement. Chaque bâtiment spatial, chaque station minière que je fais consomme un d'énergie, donc c'est vrai que ça va vite partir. Et quand t'es en négatif, qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, ils doivent le dire. Ça c'est bien, toi, tu mets ta souris dessus, pouf, t'as tout le détail. Ça, c'est nickel. Ça correspond à quoi, les détails de la pop, les différentes icônes qu'on voit? Les détails de la pop sur la planète? Selon la case où tu les mets, c'est comme civilisation. Selon la case où tu les mets, ils produisent différentes ressources. De la nourriture. Et sachant qu'en fonction de certains trucs, bah, c'est soit ta race principale, soit d'autres races qui sont en pression. En gros, c'est des travailleurs, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme si t'as joué à Master of Orion, c'est un peu ça. J'avais cru comprendre qu'il s'était inspiré de Victoria pour les pop, et c'est pas tout à fait ce qu'on voit. Non, à la limite, ils sont inspirés de Victoria pour le système où ta population, elle peut changer d'idéologie au fil du temps, et plus suivre l'idéologie principale de ton gouvernement de départ. T'as un menu là-dessus déjà ou pas encore? Attends, quand je clique sur les... Oui, j'ai le détail de la pop, et on voit qu'ils ont les traits de caractère que j'ai choisis au début, mais qui pourront changer avec le temps. Ils sont spiritualistes fanatiques, ils sont xénophobes... Bonheur et changement éthique, effectivement. Ils sont adaptés au monde tropicaux, et un petit peu aux désertiques, aux continentaux, etc. C'est tous les trucs que j'ai choisis au départ, et donc ça pourra changer au fur et à mesure qu'ils vivent sur d'autres mondes. Et le changement éthique, il donne quoi comme information? Pardon? Le changement éthique. Ça peut être... Ça, c'est... Tu vois écrit bonheur et changement éthique. En fait, parce que tes populations, elles ont des avis, comme sur Victoria, elles ont des opinions politiques. Non, elles ont des avis, quoi. Oui, enfin, elles ont une opinion, elles sont matérialistes, spiritualistes ou autres. De base, ils suivent ce que toi, tu as défini au début. Mais plus tu vas t'étendre, plus elles vont être loin de la planète initiale, et plus ça va changer. Et voilà, ça permet de diminuer ce changement. Donc en fait, tu as un empire beaucoup plus soudé avec ce genre de bâtiment. Leader. Et on voit le détail, comme sur le monde capital, il y a moins 10% de chances qu'ils changent d'éthique, et moins 10% de plus parce qu'ils sont heureux. C'est qui a dit que apparemment, ils voudraient l'éthique de l'empire, ce que je lis. C'est qui a posé la question par rapport à l'énergie, c'était négatif, parce qu'il y a Jurlian 4
qui a donné une réponse. Ah. Alors, il y a marqué, quand on arrive à zéro, il y a des énormes malus. Pour l'énergie, les vaisseaux deviennent du carton pâte, et pour la société, il y a des gros malus de la punaise de la porte. Ah oui, donc c'est vraiment mauvais, quoi. C'est à la fois militaire et social, le malus. C'est ça. Bah après, tu peux construire plusieurs centrales sur la même planète, donc tu peux quand même gérer assez facilement la production. Et pareil, le changement éthique, c'est Pyrrhus, ouais, c'est ça. Oui. C'est pareil, tu peux faire des mutations sur ta race, et je crois que si tu fais des mutations, elle a aussi un changement d'éthique. D'accord, susceptible d'arriver, ok. Ouais, je crois qu'elle a un malus, ouais, de ce que j'ai lu. Donc là, ce que je vois dans la partie de Dider, ils veulent devenir impériaux. Enfin, pas beaucoup, mais... Bah, on est déjà, quelque part, on est déjà impériaux en termes de religion. Hein. Non, on est... Dans la logique, c'est notre religion, c'est la meilleure, et vous êtes... On est mort d'Adiva. Ah tiens, je peux changer leur statut, je crois que je peux en faire des esclaves, à tout moment. Oui, oui, mon Adiva. Esclaves, j'ai pas regardé, démolir, remplacer. À servir les populations. Vas-y. Oh non, c'est mon peuple, on va servir les races inférieures. Non, c'est pas possible. Leader, je rectifie. Ton peuple, tu peux aussi servir ceux qui sont infidèles. Ah tiens, j'avais pas regardé ce menu, l'armée. Pas de général de défense. Après, moi j'aurais tendance à dire des trucs, mais ça risque de mal passer. Il y en a que tu peux asservir par plus que d'autres. C'est-à-dire? C'est parce que c'est des Belges. Sur les Raptors. Alors j'ai une unité de garnison sur la planète. Les femmes. Et je peux en avoir jusqu'à 100. Ah non, du coup c'est l'inverse. Non, parce que les femmes c'est les principaux. Hommes. Donc ce sera les hommes qu'on a servi. Construction complete. Vous êtes de l'autre côté. Organes reproducteurs. Alors il y a deux unités terrestres pour l'instant, l'armée de défense et l'armée d'assaut. Bon, ouais, reste de basique. Façon, on peut buter tout ce qu'on veut, donc à partir de là ça passe. T'es pas encore une menace pour le monde. Hein. En fait, Manix, oui. Quand on y pense, Stellaris, c'est encore pire que CK2. Tiens, construction terminée, les recherches. Alors, qui es-tu? Par contre, il y a une question qui a été posée, Leader. Ouais. On demande sur le Twitch combien de gigas pèse le jeu. Sauf regarde sur Steam, vous les avez. Je crois que c'était 3 gigas et demi. Je regarde. Ouais, il semblait lors de l'installation. Okay. Dégâts aux armées. D'ailleurs, tu as un petit son, les recherches sont finies. Tac. Oui, t'as des petits onglets quand les recherches sont finies. Ouais, mais est-ce que t'as un son quand elle est finie? Ah, ça, je sais pas. Tu sais. Le missile à fusion. Oh là là, fusion. Oh. Subvention agricole. Non. Le jeu pèse 4 gigas. Ferme hydroponique. Affluence mensuelle. C'est clairement exosquelette, quoi. Tu vas comment foutre? Émission de propagande. Oh oui, la propagande. Plus de ça fait quoi Jésus. Ce décret, c'est un décret, l'émission de propagande, permet c'est des livraisons d'informations élargies afin de s'assurer processus de mythologie narrative reste cohérent et positif. Moi je dis propagande qui dit qu'il faut manger 80 fois ça a l'air d'être de la bonne, ça. Alors, capteur gravifique, plus 15% de vitesse d'exploration. Contre-mesure active. Ça permet de faire des sentinelles défense de points. Contre-mesure anti-missile et anti-appareil de combat. Montée sur la coque. Ok. Contre-mesure, cool. On a l'air sympa. Et vitesse de développement des colonies, 25%. C'est pas mal ça aussi. Mais la vitesse d'exploration c'est pas mal aussi vu qu'au début tu dois d'abord te... Ouais, les deux sont bien je pense, ouais. Première et la dernière, les deux sont sympas. Les trois sont bien. Je vais essayer de lancer ma première colonie là parce que j'ai trouvé un monde tropical, donc je vais partir dessus. Ouais, vas-y, colonisation, vitesse des colonies. D'ailleurs, Mathieu, il va falloir que je me penche sur la question, comment je colonise ma première planète. Le Twitch a des petits soucis chez moi. Ah, c'est pour ça mieux. J'attends de refresh. Alors, Clément, Stellaris c'est un... Alors, mix entre Europa Universalis, Crusader King, Victoria, Kelekatrix, ça a beaucoup d'inspiration. Alors, Leader, il y a Jorial qui redonne encore un conseil. L'affluence est très importante au début du jeu. Faut pas hésiter à prendre les technologies pour les stations permettant d'agrandir. Des technologies pour les stations permettant d'agrandir les frontières. Attends, non, excuse-moi, je recommence. L'affluence est très importante au début du jeu. Faut pas hésiter à prendre les technologies. Les stations permettent d'agrandir les frontières, beaucoup d'influence. C'est un peu mal écrit, J'aurais pas pensé que l'influence était importante au début.
qui est pour le. Bah, en tout cas, moi je lis le conseil de Joria, il a l'air de s'y connaître. Donc, et voilà. Il a suivi le multi de Paradox. Ah, peut-être c'est ça. Ah, bah, du coup, c'est important. On va rester sur ses conseils. Peut-être c'est important d'en récupérer, puis tu comprends surtout. Alors, comment on fait un vaisseau de colonisation? Construire. Vaisseau scientifique. Donc, vaisseau de colonisation, il me faut plus de minerais, mais j'ai déjà moyen d'en produire. T'en as assez, je crois. Non, je crois que t'en faut 300. C'est 315 et j'en ai pas assez. Mais au moins, je sais que je peux en faire, j'ai la tech. Tu pourras regarder si ça fait comme Sword of the Star où ça t'enlève de la population sur ta planète mère. Ah, je surveillerai. Pour l'instant, je suis à 8 de. Ça fait migrer, non? Faudra vérifier si ça t'enlève de la population. J'ai 9 de pop sur ma planète actuelle, donc okay. On verra s'il y a une partie. C'est vrai que si c'est bien fait, normalement, on chopera 2-3 cool. Pop pour faire les colons. Parce que justement, c'est bien, parce que ça limite la surcolonisation. Mais comment t'as eu accès au jeu? Par exemple, j'ai fait une clé. Ah, ça, ils ont été généreux, ils ont reconnu notre existence. Ah putain, pour une fois, enfin. Alors, signe d'activité précurseur, mais recherche, bien sûr. Nous avons un larba qui a fait un discours. Ah, d'accord. Vaisseau de construction. Je te lis ça, Did. Ah, oui, aimez l'empereur, car il est le salut de l'humanité. Obéissez à ses paroles, car il nous conduit vers un avenir radieux. Honorez ses serviteurs, car il parle en son nom. Tremblez devant sa majesté, car nous marchons tous dans son ombre immortelle. Wow. Il parle gros lâche. Wow. Faut quand même le dire. Ça, c'est du. Au pif, c'est du 40k. Oui, c'est vrai. Complètement au pif. Ouais, complètement. T'es quoi? T'as pris quoi comme c'est pire. Alors, une. C'est quoi déjà? Un mandat divin. Reptilien. Je sais pas pourquoi les gens. Gouverné par les femmes. Ils sont. On est quoi? Spiritualiste. Et. Spiritualiste et xénophobe. Ouais, fanatique spiritualiste et xénophobe. Et les femmes sont dominantes. Aussi, en fait. Je sais pas quoi, mais je sens. Ah, j'ai ma première grosse chaîne d'événements. Tu sens quoi, Alex? J'ai pas entendu. Bah, il y aura beaucoup de mandats divins, à mon avis, sur le monde de Bellicus. Moi, non, j'ai un autre truc à faire. Mais nous avons récupéré des artefacts provenant d'une ancienne civilisation alien sur Belésir 4, dans 6. Tu t'es amusé à faire un monde capitaliste. Chut, attends, il est en train de dire des fans. Ouais. En jugé par les artefacts retrouvés, cette civilisation était une sorte de confédération composée de nombreuses races aliens. Ils formaient la première ligue et coexistaient relativement en paix il y a quelque 2 millions d'années. Si le système Belésir était sans doute le centre névralgique de leur territoire, une carte partielle retrouvée parmi les artefacts indique que cette première ligue couvrait une importante partie de la galaxie avant de finir par s'effondrer. Et voilà, c'est ça, quoi. Ils se sont mélangés. Ils sont devenus faibles à cause de ça. Le mélange, c'est le mal. Ouais. Vive la xénophobie. Vive la pureté des reptiles. La nouvelle station minière est opérationnelle. Excellent work. The technology we just finished researching will certainly benefit us. Don't forget to give our scientists new research assignments. Il est où mon vaisseau? Ah, il repart. Ah, je crois que quand ils ont fini d'explorer, ils rentrent automatiquement sur le système mère. Enfin, j'ai l'impression. Ah bon? Y'a pas d'option à cliquer ou pas? Bah, pardon? Y'a pas d'option à cliquer pour régler ça ou... Alors, Dider, y'a deux moyens principaux pour s'approprier des systèmes. Premièrement, la colonisation de planètes, et aussi en plaçant des stations d'annexion dans des systèmes, et les stations coûtent de l'influence par mois. C'est ce que je viens de construire, la station. T'as construit une station frontalière? Ouais. Dans ton vaisseau monde. Dans ton vaisseau mère. Ah, ton monde mère. Ah, mon vaisseau de construction, je l'ai envoyé construire. D'accord. D'accord. Vaisseau scientifique. Il a commencé depuis une heure. Ah non, j'ai l'impression qu'il est en mode PLS, le vaisseau scientifique. Peut-être que tu l'envoies quelque part. Merde. Research complete. Research complete. L'exosquelette est terminé. Nouvelle recherche. Plateforme de défense. Réseau minier niveau 2. Ou Stationport amélioré. Stationport amélioré, ça te permettra de débloquer de nouveaux modules. Alors, nouvelle recherche. Centralisation coloniale, ça augmente mon influence.
Et ça débloque de nouveaux décrets. Ça a l'air pas mal, je vais prendre ça. Par contre, du coup, vaisseau de construction. Ah oui, est-ce qu'il est en train de bosser? Il n'y a pas un vaisseau inconnu dans ton système? Oh, il y a des petits passages de vaisseaux. Ah, il est à 52% de construire l'avant-poste sur le soleil. Oh non, il y a des vaisseaux inconnus qui traversent mon système régulièrement. Tant qu'ils ne s'arrêtent pas, on les ignore, ils nous ignorent, tout le monde est content. Et en même temps, il n'y a que les Belges pour commencer à coloniser d'abord le soleil, hein. Je suis désolé. Mais on colonise pas le soleil, on regarde ce que c'est. Non mais vous faites un avant-poste. Il y a un menu avec un arbre technologique ou vous voulez prendre au pif? Alors, c'est des cartes. En fait, c'est ça. À chaque fois, tu tires 3 cartes, sachant que donc les cartes sont aléatoires. Ce qui fait que tu peux pas optimiser à ce point-là. Par contre, ça dans certaines cartes, débloque d'autres cartes. Et t'as des cartes plus communes au début. C'est voilà. Juste ça. Après, ça s'étend, donc du coup, c'est plus diversifié. C'est bien ça, Fourreur. Et quand j'ai construit mon vaisseau de colonisation, ils m'ont demandé de choisir une pop pour la mettre dedans. Je sais pas si ça suffit. Et du coup, pour les technologies, quand on prend une, tu perds définitivement les deux autres ou ça peut revenir? Non, elles peuvent revenir, c'est des chances, un pourcentage de chances. En fait, tu tires des cartes dans un deck et après, les cartes après, tu les remets dans le deck et tu remélanges et tu retires 3. Okay. Merci. Il y a une forme de vie extraterrestre qui tente de traduire ma langue. Des canaux diplomatiques sont maintenant ouverts et toutes les hostilités ont cessé pour le moment. Leader, il y a aussi autre chose d'important et t'arriveras peut-être bientôt à ce stade. À un certain moment, des pirates de l'espace pourront spawner. Il faut avoir une certaine force militaire pour les vaincre. Je peux facilement te mettre en PLS si tu es mal préparé. Ah d'accord, je vais construire quelques vaisseaux de combat supplémentaires. Alors j'ai rencontré des trucs dégueulasses. Moi je dis que tu leur réponds mal. Présente leur salutation cordiale. Du Bakata Seren Foundation. Elles ont construit un système de gouvernement pacifique qui opère sous la supervision d'un conseil dirigé par le coordinateur Zaox. Puissent nos deux nations vivre pacifiquement. Verminalien. Vous avez emprunté la voie de l'hérésie. Et c'est quoi au milieu? C'est quoi au milieu avec leur visage? Tu dis que ça commence Space Marine. Franchement, Vermine Alien, louons le divin pour cette rencontre. Vous avez emprunté la voie de l'hérésie. On est d'abord divin, moi je mettrais. Louons le divin pour cette rencontre. J'ai trois corvettes primitives. Je vais leur dire qu'on est potes. Je veux la guerre. Bon, d'accord. Pour le meilleur et pour le pire, hein. La voix de l'hérésie, sale vermine. Ah merde, nous devons envisager le pire. Tous les aliens, sauf ceux qui sont dévoués à notre religion. Mais il restera bon, des esclaves. Il va être temps de produire des vaisseaux. Bah, du coup, il va falloir que je me penche sur le. Le militaire, quand même. Concepteur de vaisseaux. C'est giga, c'est jeu. Auto, corvette. Ah oui, j'améliore mes corvettes du coup. Ouais, t'en as pas encore. Ils sont là ces vaisseaux. Bah, les vaisseaux divins, mec. Allez, ouais, vaisseaux nucléaires. Une pureté. Ah, n'oublions pas. Alors, je peux remplacer le laser rouge par les missiles nucléaires, je le fais. Tu peux aussi automatiquement augmenter. Là, on va faire un mix. T'as pas cette découverte pour augmenter les vaisseaux. Attends, d'avoir un peu plus de recherche et autres pour les augmenter. Ouais, là tu fais des vaisseaux de base et tu les défonces. Attends, mes trois corvettes de départ, je peux les améliorer? Il doit y avoir une interface. Oui, tu peux rajouter un missile nucléaire si tu veux. Parce que j'ai le nouveau moteur et tout. Alors où est-ce que brûle. Attaquer la cible, soutien au sol. Et ça, le mec avec 69, 4 vaisseaux, il va. Créer une nouvelle flotte. Diviser la flotte, dissoudre. Purge-les par le feu atomique.
Retour, non. Pour moi, ce qui m'a fait délirer, c'est le truc avec les bestioles qui habitent sur la terre nucléaire. Allez, à dissoudre. Je vois pas de bouton pour les améliorer. C'est-à-dire ? En fait, j'ai débloqué de nouvelles armes et surtout un nouveau moteur, et je voulais améliorer mes trois corvettes de base. Enfin, moi, je me demandais s'il y avait moyen de les améliorer. Si, t'en as un, je crois. Peut-être pas, non. Tu vois le plus, enfin, le truc. Est-ce que t'as pas encore créé un nouveau modèle ? J'ai créé le nouveau modèle, enfin, il me semble. Non, parce que ce que t'as dû faire, t'as créé une nouvelle classe et pas améliorer le modèle existant. Enfin, le fait construire, juste, je pense que c'est ça. Ah, c'est parce que j'ai pas fait nouveau modèle, j'ai tripoté l'ancien et j'ai pas sauvegardé. Non, justement, t'as peut-être créé un nouveau modèle, justement. Non, je l'ai pas créé, je suis en train de regarder. J'avais pas sauvegardé, en fait, les modifications que j'avais faites. Ah, ouais, c'est ça. Ce modèle de vaisseau n'a pas suffisamment d'alimentation. Ah merde. Entretien. C'est-à-dire il consomme trop d'énergie. Non, faut que tu rajoutes un. En bas, faut que tu rajoutes un. Comment on appelle ça ? Un truc d'énergie en plus, hein ? Ouais, voilà. Petit réacteur à fission. Que ça ira mieux. C'est où qu'on voit le ratio d'énergie ? Production, temps de construction. Je sais pas, je crois que ça se dit. Ah, si, peut-être. Non, je sais pas du tout. C'est pas très clair pour le coup. Si, c'est puissance. Quand tu vas dans le stade du vaisseau, c'est puissance juste en dessous. Puissance. Ah oui, d'accord. 7. Là, c'est à moins 2. C'était à moins 2 avant que tu mettes le moteur. Ok, c'est bon, je suis à 7, donc je peux. Je sauvegarde. Ce modèle existe déjà, vous allez écraser l'ancien. Oui, pas de problème. Bon, voilà. Donc, maintenant, est-ce que je peux les améliorer ? Améliorer la flotte. Ah, ça va. Changer le nom du modèle aussi. Bon, j'ai gardé le même nom. Pour écraser, justement, dans le but d'écraser l'ancien. Parce que bon, je reconstruirai jamais des corvettes de base. Ça va. Les plus gros, tu les appelleras. Ah, ça c'est bien parce que Sword of the Star, qui était un très grand jeu, comme le confirmera Fourreur, avait quand même un énorme défaut, c'est que les vieux vaisseaux, il fallait les détruire, il fallait les recycler, et c'était chiant. C'était plus logique aussi. Je perds de l'énergie mensuellement maintenant. Bah, ça dépend, là ils se modernisent automatiquement, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai que. J'ai un bouton en fait, t'as un bouton et tu cliques et ça les met à jour avec le nouveau modèle. Dans le système aussi, où il y a le. Je pense. Oui, il y avait une flèche. Donc, il rentre quand tu cliques, il rentre automatiquement à côté du statioport. C'est bien ça. C'est bien. Bah, comme distant fort, en fait. Du coup, on est surface. Il faut plus d'énergie. Oui, mais juste d'énergie. Et dépêche-toi parce que t'as pas beaucoup de temps pour la faire. Bon, ça va. J'ai 415 en stock, donc je peux tenir quand même quelques temps. Après, la subtilité, c'est que... Ah, peut-être que c'est le vaisseau de colonisation. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ça coûte de l'énergie, beaucoup d'énergie. Ouais, c'est lui. Donc, en fait, c'est peut-être pas si grave. Dès que tu colonises, ouais, après, ça va assembler, je pense. Alors, posture de la flotte, vaisseau de colonisation, donc... Alors, résumé des dernières 5 minutes. Alors, je te dis un truc, c'est que la subtilité, c'est aussi quand tu crées des modèles de vaisseaux, tu peux créer, par exemple, des modèles de comme des sortes de porte-avions ou juste des gros vaisseaux, par exemple, pour les battleships. Benoît, t'étais là quand on a déclaré la guerre ? Ben Benoît veut un résumé des 5 minutes, donc je dis s'il était là quand on a déclaré la guerre. Oui, je crois qu'il faisait partie du clan qui était en faveur d'éradiquer l'hérésie. Non, moi je crois que j'ai rien dit. Non, j'ai dit que le Twitch te dit la guerre. Ben en attendant, on a juste amélioré le vaisseau. Ouais, mais c'est pas négatif, je sais. Alors, recherche. C'est pas avec ça que vous allez faire grand chose. Ordinateur non, de combat spécialisé. Plus, mais bon. Moi, s'il veut pas en faire plus, il veut pas en faire plus. Rôle de combat basique ou laser bleu. Alors, on va prendre laser bleu. Il veut déjà mourir, dit.
Hein, ouais, je vais mourir. Comment ça? Non, je suis trop jeune. Oui, bah, t'es trop jeune comme civilisation. Mais t'as que 3 vaisseaux, tu vas faire quoi? Ouais, mais ils sont améliorés. Ouais, mais c'est pas suffisant. Bon, d'accord, allez, on va faire 2 corvettes de plus. Ça va? Ah, si ça, tu dois augmenter ta flotte, tu ferais bien de te faire une deuxième centrale, je pense. Parce que ça va encore bouffer ton énergie. Ouais. Parce que là, t'as 13 de limite spatiale. Je pense que c'est ça, c'est une correction. Surface. Centrale électrique. Hop. Ah merde, ça va diminuer la production de bouffe de 1. Bon, pas grave, on fera avec. À moins que... Ah, j'ai une centrale améliorée ici. Je vais peut-être plutôt commencer par ça. Voilà. Et mon vaisseau colonisateur, il ne part pas. J'ai dû rater quelque chose dans la manip. Coloniser. Coloniser la planète. Bah, vu de Russe, c'est un peu normal, enfin, faut bien se nourrir les ouvriers. Parce qu'ils aient dit une centrale électrique qui utilise de la bouffe. C'est un peu logique. Non, c'est pas qu'elle. C'est pas... Je crois que c'est pas qu'elle utilisait de la bouffe, je crois que c'est. Elle allait en gros supprimer les la case, produisait un de bouffe, il y avait des cultures, et elle allait raser les cultures en s'installant. Je te conseille de mettre plutôt en bas. Enfin, t'es en pause, faut que c'est ça... normal. Ouais. Ça va. J'ai pas choisi la bonne case. Bah en fait ça augmente, je crois que si je m'en souviens, ça augmente les ressources qui se retrouvent autour de là où tu poses ta première colonie. Ah, donc j'aurais dû choisir une case en plein milieu. Ouais, bon, mais la prochaine fois j'essaierai alors. Faut se rendre compte que ça augmente aussi là où tu la poses, donc si tu la poses sur rien, ça va pas faire grand chose en fait. Si je me souviens à peu près, je crois que c'est comme ça. Enfin, quand ils posent une base, ils prennent toujours attention à ce qu'il y ait des ressources, le plus de ressources déjà dessus, et que ça soit, il y a des cases autour. Peut-être que le temps qu'il fasse le trajet, tu dois pouvoir changer. Ouais, peut-être. Je peux annuler l'ordre. Merci Fourreur. Coloniser la planète. Du coup, ta pop, elle a baissé quand t'as créé le vaisseau de colonisation. Ah mais regarde, en fait, il y a aucun endroit où je peux avoir plus de 2 cases, je crois. À cause de, il y a un volcan en activité, il y a de la vie sauvage dangereuse. Ah ben, oh, pour la joie. Attends, je vais essayer de mettre ici. Voir ce que ça donne. Ouais, là, ça peut être bon. Ça y est, ils sont arrivés. Ça c'est quoi? Station minière. Non, je dis rien. Mais pas, je pense pas me perdre. Mais pas sur les trucs où il y a rien. Première colonie mixienne, un grand jour. Gain de points de recherche, d'ingénierie. Bonjour. 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 Salut. C'est qui? C'est Jourel. Ah, salut Jourel. Jourel K du chat. Je me suis dit que je pourrais plus vous aider en... Oh mais, ah, mais pas de problème. C'est sur où là? Alors, j'ai un vaisseau scientifique qui revient, il s'est enfui. Les salauds ont tenté de lui faire la peau. Bon, Diderlord, tu n'as que des éloges. Hein. De quoi? Tu as même quelqu'un qui a demandé si t'avais une chaîne perso. Ouais. En fait, les gens préfèrent quand c'est toi qui Twitch plutôt que certaines personnes. Parce qu'ils en avaient marre des trucs narcissiques. Du coup, j'aurais dit que les autres personnes n'étaient plus là. Sobrement, nous resterons sans commentaire. Voilà. Mais pour ceux qui veulent suivre Valerian, il y a le lien en bas de la page de garde. Oui, il y a le lien de sa page. Du coup... Ah oui, ma première colonie, à quoi elle ressemble? Donc... Ah, c'est en cours. En fait, ouais, c'est le vaisseau de colonisation, il se crache sur la planète afin de faire la première ville. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Vraiment, on va plutôt dire qu'il se pose, parce que se crasher, ça serait un petit peu embêtant pour les colons. J'aime bien l'idée du crash. Non, il se crache ou il se pose, c'est un peu brutal comme colonisation. Bah se cracher oui effectivement, il en resterait pas beaucoup. J'ai pas compris, en fait le vaisseau
essaie de recréer un petit Big Bang pour représenter la création de notre espèce. Ah, tout est spirituel, nous rappelons que nous sommes spirituels. C'est pas mal comme idée. Par contre, j'aimerais le tilter sur un truc, les planètes elles ne se déplacent pas. En fait, elles tournent sur elles-mêmes mais elles se déplacent pas dans le système. Parce que je pensais que si. Ou alors c'est extrêmement lent. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça j'en ai aucune idée. Tu verras tout de suite. Tu mets à fond puis tu verras tout de suite. Plus rapide. Alors il y a... Il y a trois au niveau de vitesse. Il y a normal, rapide et très rapide. Tu as le plus lent et lent aussi. Si je suis pas sûr que ce soit très utile. Ah bon, t'as aussi ça? Ouais. T'as 5 vitesses. Alors, plus lent et lent est très utile pour les batailles. Oui. Parce que, pour admirer. Parce que le jeu est concrètement mal optimisé pour les batailles. Ah, ça lag à mort. C'est vrai que les survivants sont des wagons. Ça, c'est pas non plus hyper surprenant. Ça a pas l'air de bouger. Ouais. Oh, là, t'as vu la partie multijoueur de... Ah, ça c'est dommage quoi, si c'est fixe. C'est paradoxe avec les autres youtubeurs. Voyons que les planètes tournaient, je me disais que forcément ils allaient se déplacer. Ouais. Ouais, mais visiblement non. Enfin. C'est peut-être dans les options. Ça paraît évident qu'elle bouge pas. Non, ça bouge pas. Triste. Bon, dommage. Ça sera un peu lourd, je pense. Non, ça aurait été un plus, justement. Naissance de la pierre. Oui, c'est ça. Un vaste groupe de perfides criminels venus de Mnixia. Mais c'est de chez moi. A illégalement transformé des vaisseaux spatiaux civils en armes de guerre. Ces hérétiques qui sévissent aux abords de notre espace se font appeler la Ghost Flotilla. La flotte fantôme. Et sont responsables de plusieurs attaques menées contre un couloir de navigation civile. Et vu que en fait c'est concrètement des gros méchants, ils essaieront de détruire tout ce qu'on construit dans les colonies ou enfin tout ce qui est frontier outpost ou tout comme ça. Pour pas de négociation, on les tue à vue. Le gouvernement mnixien ne négocie pas avec les terroristes. De toute façon, leader, je vais récupérer ça. Le gouvernement mnixien ne négocie avec personne. Tout le monde est une hérésie, qu'il soit pirate ou civilisation. Non, mais s'ils acceptent de se convertir, en revanche. C'est-à-dire, on tolère l'esclavage, c'est pour avoir des esclaves. Donc, s'ils acceptent de se convertir, on tolère leur survie en tant qu'esclaves. C'est ça, mais étant donné qu'ils restent hérétiques, on les bute. Pareil pour les autres espèces. C'est pas mal, alors. C'est pas par mal. But ou esclavage, parce que je rappelle qu'on est bien au niveau de l'esclavage. Mais en fait, je crois que j'ai tout exploré dans le coin. Et éventuellement, on pourra sacrifier 2-3 esclaves, voilà, la gloire de la Sainte-Frite. Ah, voilà. On peut pas annuler le déplacement. Ils sont à Mius, donc faut que tu envoies ta flotte. T'as pris quel moteur, leader? Le premier, le plus simple. Le warp? Ouais. Leader, envoie ta flotte. C'est le meilleur pour commencer, mais au bout d'un moment, il sera un peu lent. Et le problème, c'est que en comparaison avec les IA qui prendront l'hyperspace, t'auras beaucoup de mal à rattraper les flottes ennemies. Ouais. Mais je pense que. Qui dit que nous allons rattraper? Pour une première partie, c'est pas mal. Ouais. Je ferai la même chose en tout cas. Ouais, non, mais c'est ce qu'on sait. Non, je voudrais moins l'hyperespace. C'est plus. En fait, la patrouille de présentation, tout ça, on s'est dit comme ça. Après, quand on connaîtra un peu mieux. Ouais, genre. Allez, ma flotte arrive. J'ai dit que je commence à voir l'espace. Mets un leader. Ah oui, c'est vrai. Te recruter. Amiral. Voilà. C'est des gens qui sont en décalage. Ah, ils attaquent ma station. Ma station minière ou de recherche. Ah, ils attaqueront jusqu'à ce qu'ils mourront. Hein. À la guerre! Ça y est, ils arrivent. Au revoir. Leur vaisseau a l'air plus gros que les miens. Je suis pas d'accord. Bon, est-ce qu'on va recommencer une nouvelle partie? Non, mais ça va, ils attaquent une station minière, je sais pas. T'imagines, tu meurs à cause de pirates. Oui, vu comment tu vas vite, à mon avis. C'est plus gros que toi. Et 111, c'est la puissance de feu, c'est ça? Ouais. Ah, première bataille! Je sens que ça a été fail. On rappelle qu'on est en Iron Man. Tu veux me faire des formations ou pas? Ah non, a priori j'ai l'avantage. Grâce au nombre, j'ai l'avantage. Plus le vaisseau est gros, plus il est derrière dans la formation. Ah. Il est pas de mettre des formations. Oui, sur l'engagement.
Oui, grâce aux ordinateurs de combat. Ça, oui, mais vous en avez parlé dans un carnet. Les ordinateurs de combat aussi, ils changent la, les comme, déplacements de. Comme de sur deux. Comme sur deux. J'ai hâte de voir les super grosses flottes de 100 vaisseaux. Allez, faites-leur la peau! Les super grosses de 100 vaisseaux qui font la gamme. Moi j'ai hâte aussi. Avec les battles de la vie, ça donne deux dos quoi. Beaucoup d'images, c'est super sympa. Alors, la Ghost Flotilla a été vaincue. Réduisons-les aux esclavages. Et c'est normal en fait qu'ils partent pas, qu'ils se sacrifient. Oui, c'est tout à fait normal. D'accord. C'est parce qu'en fait, si on laisse trop longtemps, les pirates, ils peuvent aussi, des fois, ils peuvent aussi construire une station comme, comme une station spatiale random dans un système que et dans on ce a cas-là, colonisé. Il se replie. Dans ce cas-là, il se replie. Et dans ce cas-là, il est possible qu'ils se replient, mais sinon, ils meurent. D'accord. En plus, des pirates, ils sont cons. Fouiller les débris. Ouais. Alors, quand c'est un vaisseau scientifique. Ah merde, j'ai raté la bataille. Ouais, c'était rapide, sanglant, pour la gloire de la Saint-Fruit. Ouais, mais c'est toujours marrant les batailles. C'était Zoli. Ils sont pas la vraie foi, donc ils perdent forcément. Ouais, mais je trouve elles sont quand même bien foutues. Alors, nouvelle recherche. Matériaux composites, blindage, nano composite, missile à fusion, ou... un destroyer, allez, pouf. La question se pose même pas. Ouais, la technologie avant tout. Surtout un peu un nouveau modèle de vaisseau quoi. Projet minuté. Nous avons un projet spécial avec une limite de temps pensée à commencer pour ne pas rater cette opportunité. Ah merde. Ouais, c'est les débris. Les débris à un certain moment ils disparaissent. Ah, c'est... Oui, c'est logique. Bah, c'est bon, j'ai envoyé le vaisseau scientifique. Hop. Et au début du jeu, pareil, c'est quasiment essentiel aussi de fouiller un petit peu les débris. Les débris des pirates comme les débris des. Vous savez, les gros extraterrestres qui se baladent dans les systèmes. Les espèces de poulpes, là. De poulpes de l'espace vivant. Ouais. Parce qu'il y en a des agressifs. Et du coup, faut les détruire à un moment. Et ils lâchent des débris qui sont importants pour certaines technologies. De toute façon, c'est la volonté de la Saint-Fruit d'éradiquer tout ce qu'on trouve. Saint-Fruit. Saint-Fruit. Ah, fou, là, j'ai eu peur. Oui, la Saint-Truite si tu veux, mais... Alors, la station de recherche, c'est vrai que j'avais vu, elle se heal toute seule. Ah oui, les constructions se heal toute seule. C'est pas plus mal. Ça évite de s'emmerder à faire de la micro-gestion avec un vaisseau qui va les réparer. La colonie, elle est devenue quoi? C'est vrai que j'avais oublié. Bon, il doit vivre sa vie. Alors, attends, je regarde. À la colonie, ce qui est le plus important au début, c'est voir s'il y a bien de la bouffe dessus. Puisque sinon, elle peut vite crever s'il n'y a pas assez de bouffe. Alors... Pour l'instant, il y a assez de bouffe, ça progresse, et il aura dans quelques mois son deuxième colon, enfin sa deuxième pop. Parce qu'en fait, la colonie, elle se construit toute seule, c'est juste au début la bouffe qu'il faut faire attention, c'est tout. Alors, le gouverneur, il n'y a pas de gouverneur. Mais il faut que j'en recrute un. Alors. C'est l'influence pour recruter un personnage. Ouais, ça coûte de l'influence. Et pour tout ce qui est leader, que ce soit scientifique, amiraux ou gouverneur, si on monte au-dessus de la limite globale, ça fait perdre de l'influence. Ah, il est pas mal celui-là. Moins 20% de coût de construction et de délai de construction. Ouais. Bah, je crois qu'il a trouvé sa voie dans la vie, lui. En les laissant longtemps gouverner ou faire leur truc, les leaders ils gagneront d'autres traits. Ils peuvent gagner des traits positifs ou des traits négatifs. Et il y a des traits négatifs qui sont vachement négatifs. Par exemple, à la fin de la partie de multiplayer à Londres, la plupart des leaders des Blorg, ils avaient le happiness moins 10% de la population. Pourquoi? Parce que ça spawn comme ça, c'est... Les leaders devenus des gros fachos. Ouais, c'est ça. Ils deviennent des petits Hitler. Alors j'ai gagné 10% de progression, 5 points, 15 points. Ok. Bah, ils peuvent gagner des bonus comme des malus. D'accord, bah oui, j'imagine très bien, c'est le côté un petit peu. Il reste tout le temps sur la même planète. C'est... D'accord, je comprends, ouais. C'est logique. Ah oui, tiens, je vais peut-être construire un bâtiment du coup sur ma seule pop. Et non.
Surface. Mais c'est quoi les caractéristiques de mon espèce? De mon espèce tu vois, dans les bonus, j'ai mis qui vivait vieux. Je crois que c'est ça. Et sinon, ils sont répugnants et... 30 ans. Et je sais plus. C'était... Manix, qu'est-ce que tu es déjà? Ils sont répugnants et décadents. Ah, voilà. Voilà, ok. Pop en croissance. Ah d'accord, la pop a une barre de croissance, elle est pas full. Ouais, en fait, elle se développe, et puis à un moment, elle arrive au stade où elle est bien développée. Et du coup, à ce moment-là, elle donne ses bonus de production. Et sa production, en fait. D'accord. Donc, bah, je leur ai mis dessus une ferme hydroponique. Mon vaisseau de construction, il est où? Bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je vais augmenter vitesse. Je continue à faire de la reconnaissance. Allez hop. Flotte neutre. Il y a une flotte dans mon système. On demande si le jeu est assez clair. Assez clair comme ouais. Souvent les 4X. Je pense qu'il est pas très difficile à prendre en main parce non. qu'il. De mon opinion, il prend un petit peu le bon de Crusader Kings, de Europa Universalis, de ouais. Victoria. Tu vas dire, il prend les améliorations qui ont été faites depuis. Moi, j'y vois une influence de civilisation. Oui, clairement. Non, mais ils ont mis plein de trucs. Les bons éléments de... Et de tous les 4X. En fait. La gestion des planètes. Ce qu'ils ont fait depuis le début, enfin, depuis Crusader Kings 2. Honnêtement, je pense que c'est un des jeux les plus faciles à prendre en main que Paradox ait pu faire. Au début, c'est un peu impressionnant. La taille du truc, le nombre de planètes et tout, c'est assez impressionnant, mais mais non, ça se passe bien. Et ouais, pour la gestion des planètes, c'est vraiment. On sent l'influence de Civ. Voilà, on est d'accord. Ouais. C'est quand j'ai vu sur la gestion des planètes. Ouais, de Galactic Civilization. Par contre, vous avez pas peur qu'il soit trop long pour le format des GPO que... Non, t'inquiète pas, on extrait les joueurs. Vraiment, je crois qu'une partie, ça dure entre 230 et 300 ans, puisque avec le. Généralement, la fin de partie, c'est le problème, la grande déstabilisation de la galaxie avec l'arrivée d'un empire extra-galactique ou des trucs comme ça. Les événements de fin de jeu, comme dit. Puis je suis extrêmement lent parce que je connais pas, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on se rodera, on ira de plus en plus vite dans la phase exploration-gestion du début de partie. Le début de partie va vite et je pense qu'en multiplayer, il ira encore plus vite. Parce que c'est les joueurs qui découvrent eux-mêmes. Mais dans le principe du jeu qu'ils ont fait, ils ont joué en normal, vitesse normale, et en 6 heures, ils ont joué 70 ans. Oui, quand même, donc à quelle vitesse ils étaient ados ou normal. Ils ont pas réussi. Ça changera des GPO, on fait 20 ans en 45 ans. Là, c'est quelle vitesse, leader, normal ou. Là, je joue en rapide depuis peu, mais j'ai joué pendant presque tout le début en normal. D'accord. En fait, au sujet des crises, il peut y avoir une première crise qu'on peut passer, et ensuite. Il y a de moins en moins de probabilité qu'il y ait d'autres crises qui arrivent. Bon, et quand est-ce que tu vas faire un coup aux aliens hérétiques? T'as le temps de faire une flotte? Bah, à mon avis, il va pas attaquer maintenant parce qu'il faut aussi des unités de terre. Ah merde, je suis attaqué par un truc chelou. Ah oui, fais gaffe, ça c'est ils sont assez forts quand tu débutes. C'est pas les hérétiques que t'as envoyé. Ça. Ah, 223 de puissance. Avant-poste d'astéroïdes. Eh, par contre, le design est super classe. Non, j'ai dit. Ah ouais, c'est pour ça. Ah non, c'est un avant-poste. C'est peut-être l'avant-poste pirate, ça. Je sais pas si t'as repris ton vaisseau, mais. Oui, recule-le, tu n'as pas ton vaisseau scientifique. Oh, il est mort. C'est paix à son âme. Le leader scientifique Asgentar est mort. Non, il aura une stèle. Parce que le leader derrière, il meurt aussi. Ah,
enfin je crois. Et il aura une stèle. Oui, il meurt. Les gars, soyons honnêtes, il est mort pour la Sainte Quête. Pour la bonne cause. Ah bah, voilà, les renforts arrivent. C'est où? Ah bah, c'est dans le système que j'explore. Non, là, c'est, tu vas quoi, c'est la base générale des pirates. Tu vas te faire défoncer parce que là, t'es pas assez fort. Mais si, regarde. J'y crois. Vous avez pas la foi. La frite est avec nous. Ah merde. Ah la vache, il en a shooté un vite fait. En plus c'est les hommes, ils m'ont repris, ils m'ont oublié en mode T'es où qu'on voit le... Ah voilà, le même combat. Ah ouais, effectivement, le rapport de force est pas en ma faveur. Non. Si. Non, c'est rien. On voit les points de coque de l'attaquant, je lui ai enlevé un cinquième de sa vie. Franchement, tu devrais peut-être te replier. Ouais. Franchement, non, à la limite, la deuxième flotte composée de un vaisseau, elle, je la replie. Franchement, tu devrais construire genre un total de quelqu'un déployé. Oh bah tant pis, bon, il a changé le combat. Quand je disais que les pirates pouvaient un peu faire chier, c'était ça. Oh bah on va éviter de d'explorer ce système. Après, ouais, c'est la base générale des pirates. Il y a petit Stropole. Avez-vous la foi? Oui, non ou frites? Frites. Grande frite. Frites. La guerre. Tout le monde a voté frites. Tout le monde a voté frites. Forcément, tu votes frites. Dis, tu sais pas mettre des combinaisons spatiales à tes hommes et les catapulter? Ouais. Les catapulter? What? Pardon? Plus de dégâts. Les pêches en plus à l'impact, c'est... Ah oui, c'est... Tu les nourris frites pendant 15 jours avant et puis tu les balances. Ah, il y a un gars qui a voté donc. Ah, mais par contre, c'est inquiétant de voir que t'as du mal avec des pirates s'il y a un autre empire qui t'attaque. Ah, ouais, attends, t'as vu leur. Franchement, t'as vu leur station de combat techno-futuriste? Ah, bah mince, on la voit plus. Elle est belle. Les autres empires qu'on découvre au début du jeu, les IA, ils ont les mêmes problèmes. Donc, il va pas attaquer. Oui, ces empires-là, pourquoi t'as pas rempli jusqu'à ta force limite? Parce que j'ai pas assez de minéraux. Ah, bah du coup t'as plus rien en fait. Bah faut attendre que ça se recharge. Non mais j'ai 3 corvettes. À moins que l'empire d'à côté soit complètement opposé aux éthiques que t'as pris, leader, il peut pas attaquer tout de suite. Il va pas attaquer tout de suite. Vu comment l'a envoyé voulait. Bon bah j'ai un peu de marge alors. Généralement dans les catrices, privilégier le militaire à tout prix, ça sert pas tant que ça au début quoi. La frite vaincra. Bon, ben donc, le résultat du Stropole, voilà. Quelqu'un est d'accord avec la frite, mais n'a pas compris que c'était la frite de moindre aliment. Et trois personnes sont des hérétiques qu'il faut brûler. Choisis trois citoyens et... Chantier d'assemblage de corvettes. Manix, je rappelle... Test de construction de corvettes, 25%. Ok. Il y a 26 personnes pour la foi. Une qui fait genre qui a la foi, mais qui n'a pas vraiment. Donc on a 4 hérétiques. Et 3 esclaves. Allez, ouais, 4 hérétiques, dont 3 esclaves. T'as raison. Invading hostile fleet. Ah merde, c'est où ça? Il y a des poulpes de l'espace qui entrent dans un de mes systèmes. Non mec, mais bah à ce moment-là, faut essayer de les éviter, étant donné que ta flotte est pas trop puissante. Les trois corvettes, ça fait pas le poids face à un poulpe, c'est ça? Ah peut-être un poulpe aussi. Enfin je sais pas, puisque t'es au début du jeu et les poulpes sont plutôt puissants au début du jeu. Réseau minier produit 2. Paf, oui. Il y a 150 le poulpe, t'as combien de puissance? T'as 78, non c'est mort. Construire. Par contre, t'avais pas réparé ta flotte que t'avais envoyé, leader, tu l'avais pas réparé. Oui, ils étaient courageux. Ils n'ont pas peur de mourir pour le leader suprême. Nouveau modèle. Mais je peux pas faire des destroyers ou un truc comme ça? Construction scientifique. Ou alors j'ai pas fini attaque. Un gars sur le Twitch qui demande si vous allez twitcher même la nuit. Normalement, oui. Oui, en tout cas, partie de la nuit. Benoît avait l'air chaud, je suis chaud. Fourreur, tu voulais tester peut-être à un moment ou à un autre? Ouais, bon, je le ferai peut-être très tard le soir, vers 5h du matin. Voilà. Ouais, le matin. Le Twitch destroyer. Ah non, la tech est pas finie pour les destroyers. Bon, je n'ai que des corvettes. Non, faut que tu le prennes à 2h du matin, jusqu'à 8h. En fait, le Twitch, c'est un marathon quoi. C'est ça. Jusqu'à la nuit, 18h. Oh, je peux débloquer les lasers mauves maintenant.
trop bien. Enfin, laser ultraviolet plutôt. Ça donne un côté un peu Sailor Moon là. Alors, le laser bleu est plus fort que le laser rouge, et le laser violet est plus fort que le laser bleu. Non, en fait, c'est d'un côté Power Rangers. Ouais, et en vrai, j'ai mis les trois différents. Pourquoi je suis le rouge? Je voulais pas être le rouge. Et pourquoi c'est les noirs? Pour les vaisseaux militaires, il y en a 4 types. Le premier, c'est la corvette, c'est celui de base. Ensuite, il y a le destroyer, croiseur et battleship. Le battleship. Et on les débloque peu à peu dans les technologies. En fait, faut essayer de composer comme avec infanterie, cavalerie et canon dans Europa Universalis pour que ce soit bien équilibré. Ouais, faut faire un mix. Le spam de battleship ne mène à rien. Ah, le spam de battleship sert pas à grand chose parce que si tu mets des petits vaisseaux. Ouais, il faut rajouter des corvettes avec parce que un gros bloc de battleship face à plus de corvettes, ça marche pas bien. Sinon, c'est comme les canons en première ligne. Ouais. Ça fait des dégâts au début, mais après c'est de la merde. Plus rien à construire. Vaisseau de construction. Ça coûte combien, j'ai pas fait très gaffe, ça coûte combien les destroyers en minéraux tout ça? J'ai pas encore fini attaque donc je. Ah d'accord, j'ai pas encore vu le prix. Attaque et après tu construis les destroyers. Okay. Tu sais ce que tu devrais faire? C'est mettre les 3 lasers différents sur ton vaisseau. Oh oui, oh, ça c'est l'efficacité quoi, on s'en fout que le violet ce soit mieux, on met quand même du bleu et du rouge. Alors Opav, en fait tu crées un compte sur GamesPlanet, tu achètes le jeu, tu vas recevoir une clé Steam, mais tu ne pourras mettre sur Steam que lundi à la sortie. Et après ça se comporte comme un jeu Steam. Et après ça se comportera comme un jeu Steam. Nous c'est parce qu'on a des privilèges. Il va recevoir la clé le jour de la sortie. Il sortira la clé. Ou s'il est en préchargement le 8 le jour d'avant. Ça m'étonnerait qu'il y ait un préchargement pour... Quand il y a de la vie sauvage hostile, on peut construire un broyeur qui va aller déblayer. Alors ça, c'est pour déblayer les trucs, c'est très important. Parce que sinon, parce que c'est important pour le développement de la planète. Parce que c'est un certain stade, la seule raison pour laquelle les populations ne pourront pas se développer, c'est à cause des bloqueurs, comme ça. Ouais. Mais tu connais le jeu parce que tu l'as créé ou... T'as déjà pas de sexe. Non. Il a suivi tout le stream, la totalité du stream. J'ai regardé toutes les vidéos qui sont sorties. Et là, je viens de me rendre compte ce matin que j'avais plus assez de temps pour regarder toutes les vidéos des gens qui avaient sorti des vidéos. Du coup, je me suis dit, tiens, Mundus Bellicus, il est en train de faire un live. Je vais plonger dessus. Je vais les faire chier. Je vais leur donner des conseils. Non, mais surtout. T'as installé les cardés aussi, je pense. Ah, j'ai complètement la hype pour le jeu. Rectification, on a tous la hype pour le jeu. Mais alors, où est-ce qu'on va tous être déçus? C'est, t'imagines le truc, tu sens vrai. Bah, actuellement, je suis pas déçu. Actuellement, il a l'air bien, hein, franchement. Leader, t'en penses quoi? Première impression. Ah, c'est cool, faut prendre en main. Faut prendre en main au début, mais ça se fait vite, instinctivement. L'interface, c'est nickel, donc. C'est vraiment le truc qui m'inquiétait, c'était l'interface, qu'on se retrouve pas perdu dans les systèmes, à dire merde, il est où mon système principal, mais non, ça va, on s'y fait. On peut dire aussi que pour le moment, t'en as 3 quoi de systèmes. Oui. 2. Bon, le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est au niveau des flottes, c'est parce que déjà ça lag. Hein. Et puis, au niveau de la composition, parce qu'à un certain niveau, on peut mettre plein d'armes différentes sur les bateaux, enfin sur les vaisseaux, et ça pourrait vite être le bordel. Bon, ça comme dans tout 4X au final. Non, je pense pas parce que vu que tu débloques ça au fur et à mesure, tu sais ce qu'il faut mettre, tu sais pas ce qu'il faut mettre, tu sais qu'est-ce que tu préfères ou pas. Puis aussi t'as les trucs automatiques, donc du coup je pense que c'est assez intuitif, ça va être, je pense. Moi j'ai jamais oublié. Mais après il y a certaines armes qu'il faut mettre en fonction des boucliers de l'ennemi, etc. Donc, Ah mais ça c'est dans beaucoup de 4X, c'est le counter-tech. Ah, il a fait le bouclier à particules anti-laser, bah pam, je le counter en sortant le canon, le bon vieux canon à projectiles perforants. Et puis l'autre, il prend échec. Les signes d'inquiétude de la première ligue aux abords de Vao n'étaient qu'une fausse piste. Eh merde. Ah, faudra trouver une autre anomalie du coup. Alors j'ai un scientifique qui est passé niveau 3.
Pour l'instant, ils ont pas chopé de traits de caractère spéciaux. Ça coûte quelque chose le en entretien ta flotte? Ouais, je crois qu'elle coûte de l'énergie. Ouais, en fait, la flotte coûte de l'énergie quand elle est sortie des docks. Et quand elle rentrait dans les docks du spatioport, je crois qu'elle coûte moins d'énergie. Là, on voit, quand je mets la souris sur l'énergie, on voit entretien des vaisseaux 2,81. Et enfin, j'imagine que si tu les passes à port limite, ça coûte plus d'énergie. Comme ça, on rentre pas avec le coût des ducats et des armées. Quoi. Probablement. Dans la logique, ouais, sachant que. T'as à la fois la limite de la force limite et t'as la limite d'énergie quoi. C'est... Si je spam trop de vaisseaux, peu importe la force limite, ouais, j'aurai un problème. Si t'es super riche, tu peux y passer à force limite quoi. C'est comme. Oui, il doit y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? La civilisation que tu viens de voir, un écalage de bronze, tu peux la pousser pour qu'elle devienne. Alors, ouais. Faitant une alliance. Une civilisation primaire comme ça, il y a plusieurs possibilités. Où on peut lui montrer la technologie spatiale. À ce moment-là, ça deviendra un protectorat et ensuite un vassal. Ou alors on peut infiltrer le gouvernement. On peut faire une station d'observation et là on peut les influencer de diverses manières. Je pense que ce sera un petit peu plus intéressant pour la foi de la frite. Les convertir. Leur faire découvrir ce que c'est que l'esclavage. Une recherche mauve, c'est une recherche unique, c'est ça ? Oh oui. Débloquer le module observatoire. C'est ça, non? Observatoire pour... C'est l'observatoire qui permet de mettre sur en place les politiques différentes à l'égard des... Parce que oui, il y a deux possibilités. Tu peux les observer, mais sans... Des civilisations primitives. Sans les... Emmerder. Sans que eux te voient, ou ne pensent que tu es là, et tu peux les observer en prenant des membres... En fait, il y a quatre possibilités. On peut prendre le contrôle. La première possibilité, c'est l'observation passive, où ça donne un bonus de social. En fait, ça donne plus un point ou plus deux points au niveau social. En fait, c'est juste les observer. Il y a l'observation agressive aussi. L'observation agressive, c'est enlever des gens de la planète pour prendre leurs traits spécifiques. Par exemple, ta race, elle est répugnante. Bah, mettons, l'autre race, elle peut être industrielle ou quelque chose comme ça. Et avec la technologie de changement génétique, tu pourras prendre les trucs de la race primitive pour les mettre sur ton espèce. Cool. Ensuite, il y a la révélation technologique où tu accélères leur développement jusqu'à ce qu'ils deviennent un vassal. Pratique pour les empires xénophiles. Parce que comme ça fait plus d'espèces. Et en dernier, il y a l'infiltration du gouvernement. Et l'infiltration du gouvernement, c'est un petit peu plus obscur. C'est faire devenir vassal. C'est un complot, quoi. C'est le complot reptilien, on remplace les dirigeants par les nôtres. C'est X-Files. Oui, exactement. C'est complètement ça. C'est le complot reptilien. Tu peux pas tout simplement débarquer sur la planète, tout brûler et la récupérer? Je pense qu'on peut aussi prendre les esclaves, mais je sais pas comment ça fonctionne, parce que j'ai pas vu ça. En fait, moi je pense que les pop, faut que tu les. Quand tu cliques dessus, t'as une option de pouvoir les mettre en esclavage. C'est un Eddy, je crois plutôt. Non, c'est directement sur la pop. Non, on peut directement mettre en esclavage les populations. Et du coup, vu que ton peuple il adore les esclaves, ils seront contents. Mais oui, mais une observation agressive de certains pour te permettre de prendre un trait s'ils en ont un bon. Il faut qu'on esclavage tous ces hérésies. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est le petit. Pour les civilisations primitives, t'as quand même des images de fond des grandes villes modernes, ça. Ah bon ? Attends, j'ai pas fait gaffe. C'était où ? C'était Vaal. Bah après, ça dépend de l'espèce primitive. Il peut y avoir différents niveaux. Elle peut être à l'ère industrielle, elle peut être à l'ère pré-spatiale. Attends, je vais voir en détail. Elle peut être. Alors ils sont à l'âge de bronze là. Quelques secondes après, regarde, c'est précisé. Au stade du début qu'on a eu au début, tu vois. Cette situation est actuellement équivalente de l'âge du bronze, le travail du métal primitif et les premières langues écrites sont apparues. Et donc c'est pas bizarre d'avoir... Strompol, comment interagir avec les primitifs? Les observer, les enlever, remplacer leurs dirigeants, les brûler, leur dévoiler la Sainte Frite. Est-ce que... Je pense que dévoiler la Sainte Frite, c'est... C'est voir ses caractéristiques d'espèce. Monument à la pureté. Ça c'est quelque chose. Je donnerai le résultat du Strompol dans 2-3 minutes, le temps que les gens l'ont. Capacité navale plus 10%, c'est pour augmenter la force limite. Ah, par contre, t'es obligé de dire un truc, c'est avec la modification génétique, t'as un risque que l'espèce modifiée, ta propre espèce, te considère comme plus importante, comme inférieure.
Ouais, elle te considère comme inférieure et ancienne, obsolète, et déclare, bah, finalement, faut te remplacer. Donc, et déclare leur la propre sainte frite. Ça, ah non, ils te déclarent la guerre. Tu les tous alors. Et surtout, ils te déclarent la guerre pour t'éliminer, pour pouvoir te remplacer. Mais ça, c'est plus en milieu de partie. Ouais, c'est plus à la fin, quoi, quand ils sont bien nombreux, bien plus nombreux. Donc, fais gaffe, quoi, c'est dangereux. Ouais, je sais pas s'il y a la possibilité de remplacer toute ton espèce. Leader ? Oui. Donc, si, il y a possibilité de remplacer toute l'espèce. Les gens pensent à 53% qu'il faut leur dévoiler la sainteté. Et je pense ça paraît logique. Ouais, l'esclavage me semble une bonne option. Je pense que c'est le vaisseau de construction que je dois envoyer dans leur système pour voir les différentes options. Non, pas du construis le poste d'observation et t'as les options dans le poste d'observation. Et le poste d'observation, je construis avec un vaisseau de construction. Oui, par contre, je suppose. Mener d'investigation sur Zeta Menace. Nous avons. Blablabla. Ouais. Enquêter donc sur Zeta Menace. Moi, ça me gêne un petit peu le côté. Je sais pas ce que je vais penser après, mais devoir. What, c'est quoi? Manix, t'as vu le commentaire de Ludo? Ludo qui marque. Oh non, Manix, pas la Saint Chips. Il y a un risque qu'une race déclare la civilisation du Saint Chips. Non. Ou du Fish and Chips. Non. Monde en fusion. Ça patatos. Ah mais ça y est, j'ai trouvé un monde colonisable. Un troisième. Enfin, second plutôt, parce que je compte pas ma planète de départ. Bon, on a plus qu'à faire un autre vaisseau de colonisation. Il est colonisable à quel pourcentage? 80%. Ah bah ça faut prendre. C'est mon monde. C'est comme mon monde de départ, c'est un tropical. Donc là, optimal. Ça dépend de ton monde de départ, en fait. Oui, ton espèce est automatiquement adaptée à ton monde de départ et à deux types de mondes proches, quoi. À un certain niveau, tu trouveras peut-être une planète Gaïa. C'est une planète où tu auras directement 100% d'habitabilité dessus. Mais à ce moment-là, faut faire attention, puisque certaines planètes Gaïa, elles sont décidées comme... des planètes sanctuaires pour un peuple, c'est les peuples super élevés là. Les empires déchus. Ouais, c'est ça, ouais. Les empires déchus. Enfin, et qui étaient super élevés. Enfin, ils sont toujours super élevés, mais ils sont un petit peu. Mythiques. Et si tu colonises cette planète, ils te déclareront automatiquement la guerre pour te la faire décoloniser. Mais comment, enfin, la planète Gaïa, enfin, c'est quoi leur particularité? Bah, la planète Gaïa, c'est une planète. Il peut y en avoir plein de différentes, mais c'est une planète où toutes les espèces, peu importe leur planète de base, s'y sentent parfaitement bien. Donc avec une habilité de 100%. Le monde paradis, wow. Quoi. Un bonheur, c'est ça. En gros, c'est l'utopie, quoi. C'est ça. Exactement. Eh bien, il faut raser ces utopies et mettre des usines. Alors, partout. Moi, je dis. Elles sont extrêmement rares. La Sainte Frite revendique toutes les utopies, puisqu'elles appartiennent seulement et seulement à la Sainte Frite. Une planète forgée. Oui. Tu veux nous rejouer la Sainte Frite pour la GPO? Mais je suis pas inscrit, moi, au GPO, y a plus de place. Ah si, parce qu'il y a des gens qui sont désistés, mais on n'a pas encore mis à jour. Hein. Ah, oui, bah, on attendait les... Bah, on va pas tarder à mettre à jour, du coup. Il y a au moins deux à trois désistements. Mardi, mercredi. On va faire ça mardi, mercredi, la semaine prochaine, histoire que les gens de la thèse voient si leur config peut tenir. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Leader, mais j'ai dit que si jamais de la place... Yep, tu as mis sur le poste? Ouais, je me suis posté. Ouais, parce que. Je suis inscrit sur les DGPO au cas où. Au cas où je suis inscrit sur les DGPO. Donc, je m'inscris. Voilà, tu as compris. Alors, nouvelle rencontre. Je rencontre une sorte de tapir de l'espace. Tapir de l'espace. Ouais, tu reprends pareil, toujours pareil. Vous avez emprunté la voie de l'hérésie, sale vermine alien. Ok, j'ai compris. À un certain niveau, faut faire attention au niveau diplomatique. Puisque nous, si tu leur dis à tous que tu les aimes pas, ils vont finir par faire une alliance contre toi. Mais c'est pas une question de les aimer ou pas. Ils reconnaissent pas la Sainte Frite. Donc ils n'existent pas. Ah, oui. En même temps, c'est vrai. S'ils ne reconnaissent pas la Sainte Frite, ça se discute. Mais crée une armée alors, parce que là t'as 3 vaisseaux. Ouais, mais j'attends de finir. Les destroyers sont presque finis parce qu'après je vais les spammer. Spam pas complètement. Non, spam pas complètement. Garde quelques corvettes. Bah tiens, d'ailleurs je vais redesigner les corvettes parce que je crois que j'ai eu les lasers mauves, attention. Attention. Alors pour répondre à l'éclair, le jeu, oui, il est censé sortir neuf, mais Modus Bellicus, enfin il y a Leader et Benoît qui ont eu un petit privilège
pour le futur bah. De la part de Paradox. Benoît a contacté Paradox en... Voilà, en demandant si on pouvait avoir une clé. Et du coup, vous allez sachant qu'on leur fait de la pub, hein, donc c'est gratos. Oui. Bah, j'ai l'impression que maintenant ils donnent des clés à beaucoup plus de monde pour leur publicité. Oui, oui. D'ailleurs, leader, on peut donner des noms particuliers aux vaisseaux. Ouais, on peut les renommer. On peut donner des noms à tout. On peut renommer que... toutes les planètes. Et essayer de donner des noms spécifiques à notre religion. Non, non, est-ce que tu peux noter le destroyer, tu l'appelles le chevalier du gras, ou s'il apporte la 5 frites partout. D'accord, et la corvette, alors la corvette, tu veux que je l'appelle comment? La corvette, Potatoes. Potatoes. Je l'appelle Potatoes. Bah, je sais pas lequel ressemble le plus à un poulet, t'as pas celui qui ressemble le plus à un poulet qu'à FC. Franchement, alors, on va appeler Potatoes 1. Les nouvelles planètes colonisées. Ketchup ou mayonnaise. Oh, ouais, Alors, Potatoes 1. On va en appeler une. Il a du laser bleu et je vais laisser un missile nucléaire. Et par contre, comment on appellerait les battleships et puis les croiseurs? On trouvera. On en est loin. Ouais. Battleship, ce serait la grosse. Le plus gros, ce sera la Sainte Friteuse. Sainte Friteuse pour les battleships alors. Oh, des noms de variétés de patates. Super, j'en connais plein. Alors, mes anciennes corvettes... J'ai travaillé là-dedans avant de devenir bouché. Donne-moi des exemples. Ah merde, mes trois vieilles corvettes, je peux pas les améliorer parce que c'est pas... J'ai pas remplacé le modèle, je crois. System survey complete. Anomaly found. Je sens que cette partie de scénariste va être... Alors, tiens-toi, dégage, supprimer. La Sainte Friteuse de. La Sainte Friteuse. Ouais, c'est vrai. Ah si, comme j'ai supprimé l'ancien modèle, maintenant je peux c'est les améliorer. C'est pas comme ça que voilà, okay. Plein, ça c'est une ville en Belgique. Bon, ça va, le jeu est bien foutu. C'est une ville qui c'est ça que tu veux dire, voilà. C'est ça la marque de la frite, la Binge. Pas la Binge. Et ça se situe à côté de Bruxelles? Non, Binge, ça se situe. En dessous de Mons, quasiment la frontière française. J'ai retrouvé la Forge Stellaire, un chantier spatial orbital automatisé. Je peux essayer de le réparer, il date d'un millier d'années. Mon dieu. Dider, je crois que t'as un slot de recherche qui ne recherche pas actuellement. Ouais, oui, c'est vrai, c'était physique. Donc on passe à laboratoire physique, lanceur de plasma. Bon, la question se pose même pas. Lanceur de plasma. Termina Fritter. Il y en a qui ont des lasers, tu vois, des lasers rouges, mauves, violets, et il y en a qui ont des laser lanceurs rouge. De plasma. Du coup, chez mon vaisseau de construction. Friteuse géante de l'espace. Putain, il y a des idées, hein. Alors, je peux pas encore faire le poste d'observation. Parce que... Je sais pas comment Elle est pas c'est clair. Ah, elle est pas à l'intérieur de nos frontières. Ah oui, bah oui. Donc il faut que. Après, si c'est dans ta zone d'influence, le temps que d'autres espèces arrivent pour te voler cette espèce primitive, il y a le temps. Hein. Oui, ouais, c'est assez proche. Je vais aller construire revendiquer un système à côté, tiens. Et puis, tant que les espèces primitives, elles sont pas au-delà de l'ère nucléaire, il y a aucun risque qu'elles fassent chier elles-mêmes. Parce que si elles sont au-delà de l'ère nucléaire, donc post-nucléaire, elles peuvent ou s'auto-détruire. Non, c'est plutôt pendant l'époque nucléaire, justement. Oui, ça j'avais lu dans le carnet. Quand elles passent ce stade, il y a moins de risques. Mais quand elles sont dedans, il y a un risque qu'elles s'auto-détruisent. J'avais lu dans le carnet qu'elles pouvaient s'auto-détruire à l'ère nucléaire. Ouais. Ce qui est fun. Ce qui est dommage, mais c'est fun. Pof. La colonisation d'un troisième monde a commencé. Est-ce que tu pourrais faire un dézoom de la map pour voir où sont les autres hérétiques? Ah bah, troisième race, j'ai rencontré les requins marteaux. De toute façon, c'est des hérétiques, on s'en fout. Bon, j'ai mis quelques noms dans le tweet. Vous avez emprunté la voix de l'hérésie, celle alien. Pourquoi? Pour les noms de patates. Ouais, hérésie. Alors, recherche d'ingénierie. Hérésie. Blindage, plateforme de défense. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir commencer à louer le divin. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les noms sont pas traduits. Ils ont pas encore réussi à. Ouais, mais le jeu est pas encore sorti. Donc... Oui, il y a le temps, ils ont encore le feu de temps de faire quelques changements. Si en anglais, c'est bon, on n'est pas non plus détruit. Oui, je pense que oui. Bah, pire, tu passes le jeu en anglais, puis tu fais pas chier, quoi. Tu respectes. Bah, déjà, sur le multiplayer à Londres,
les... J'ai destroyer. Les empires, il y, a, ah, y avait des empires déchus qui avaient pas les bons casus belli. Alors franchement, oui, effectivement, ils ont encore quelques travaux à refaire. En 5 jours, ils ont le temps. Non, mais sérieusement, si ça n'est pas, je pense pas que ce soit des trucs. De toute façon, le jeu sera patché 3 fois la première semaine. Ouais. Oui, ouais, quoi. Et sinon, Dil, tu pars à Dezoom et avoir du Galactique. Ouais. Attends, je finis mon Destroyer. Tu sais, quand tu fais ça, ton Destroyer, tout est Destroyer. Ah oui, le Destroyer, le nom du Destroyer magnifique. Non, après, tu dois cliquer sur tes vaisseaux et faire mettre à jour. Et tu payes un petit peu de ressources et ils sont automatiquement mis au grade supérieur. Tu sais que tu peux changer le canon. Là, oui, on peut changer de type de canon pour avoir plus ou moins de slots ou poser des armes. Ah, t'as un gros canon. C'est-à-dire le module ? Oui. Briseur de foi. Ok, alors il me propose quoi ? Briseur de fortune, d'espoir et de foi. Emplacement d'armes. Eh ouais, oh, cool. C'est beau. 3 small au lieu de 1 lourd, 2 small et 1 médium. Tu vois ? Yep. Merci pour... C'est décalé donc du coup on voit pas. Merci pour l'info du coup, c'est vrai que j'ai complètement zappé ça alors que j'avais lu dans le carnet de développement. Ah, ça me débecque. Putain. C'est quoi L ? C'est la taille de l'arme. C'est la taille. C'est le constructeur, le manager de vaisseau, c'est à un moment ça devient relativement complexe. Oh ouais, mais il y a que ça, il y a pas plus d'options. Tu développes pas des options après. On est au début donc il y a certains. À mon avis si, parce que sinon il n'aurait pas prévu la possibilité de mettre 6 cases dans chaque truc. Ah ouais, t'as raison, ouais. Si pour les battleships, eux ils ont 6 cases par exemple pour un. Ah ouais, c'est vrai. Parce que là, alors, c'est des corvettes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options parce que c'est des corvettes. C'est des destroyers. L, c'est petit, c'est large. Ah oui, destroyer, désolé. M, c'est médium et S, c'est grand. C'est large, ouais. Ouais, d'accord. Et sinon. Non, du coup, c'est S petit. S petit, d'accord, c'est inverse. S petit, M médium et L large. Ah, S small, M médium, L large. Ok, très bien. Et Manix ? Il faut que tu donnes un nom au destroyer. Ouais, mais. J'avais les chevaliers du gras, mais. Ouais, chevaliers du gras. Non, il faut rester dans l'esprit fixe. Bah, les chevaliers du gras. Alors, attends, le destroyer, tu l'appelles ? Le chevalier du gras. Chevalier du gras. Il apporte le gras dans tout le monde. Chevalier du gras, alors, chevalier du gras, il a 2 missiles nucléaires et. Et 3 small canons bleus. Alors, je vais lire le Stropole. Non, ne le lis pas, ne le lis pas, ne le lis pas. Attends de faire mon espace. 5 choix. Les brûler, les brûler, les brûler, les brûler et les brûler. Pour les brûler, évidemment. Je suis pas d'accord, il vaut mieux les brûler. Moi je pense qu'il faut plutôt les brûler. Nécessite un stade. Ah putain, le jeu vient de me faire un fuck quoi. Destroyer nécessite satioport de niveau 3. Ah, il faut que tu améliores. Faut pas hésiter à améliorer le spatioport dès qu'on peut, parce que sur le spatioport, on peut mettre plein de modules différents pour améliorer la planète qui est à côté. Alors, spatioport. N'empêche, ça parle mal. Mais on pourra construire des anneaux de Tyson. Parce que les empires déchus, non ? Je crois que c'est réservé aux empires déchus, mais après, j'ai pas vu de partie en late game, donc. Ouais. Après, ils prévoyaient de faire. Vous savez, les grandes sphères autour des soleils, etc., des étoiles. Je pense qu'ils prévoient de le mettre en DLC. Ça. Quelqu'un m'a mis en rival. Bon, en même temps, tu leur parles mal. T'as une recherche. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas un menu diplomatique pour commencer à racketter ses voisins. Données de reconnaissance. Étendue des frontières plus 20%. Tiens, ça a l'air pas mal ça. Hop. Y a un tableau diplomatique pour vous dresser la liste de tous nos contacts. Et tu as quoi comme option diplomatique pour le moment ? La vision galactique, c'est simple aussi. C'est une petite. Une carte. Et normalement, le modding permet aussi de faire sa propre galaxie. Alors je peux te communiquer si vous voulez pour voir ce que ça donne. Mais bon, vu que je les ai insultés pour l'instant à chaque fois qu'ils ont voulu me parler. Oui, c'est pour ça que je. Non. Leader, tu ne les as pas insultés. Liste des espèces rencontrées. Ils n'avaient pas la bonne foi. Et aussi, leader, n'hésite pas à mettre en rival ceux qui t'ont mis en rival
parce que mettre des gens en rival, ça te donne plus de points de société par mois. D'ailleurs, question, on a une limite de déclaration de rival ou pas? Je crois pas. Et on peut les retirer au bout de combien de temps? Et on peut les retirer immédiatement, ou en fait je sais pas, je sais pas puisque c'est pas quelque chose que j'ai regardé en état. Rivaux. Mais est-ce que c'était comme un repas ou est-ce que mais retirer des rivaux, je crois que ça coûte rien. Du coup, moi, comment je les mets en rivaux? Faut que j'aille dans communiquer. Diplomatie, je crois. Oui, oui, je crois. L'endroit où t'as déclarer la guerre, demander une vassalité, établir une ambassade, déclarer la rivalité. Voilà. Bon, ouais, tiens, bouffez ça quoi. J'ai pas peur. Bouffe ça. Ce qui me donnera plus 1,6 d'influence chaque mois. Et l'influence, c'est cool. Plus l'empire est éloigné, moins ça te donne d'influence par mois quand tu mets quelqu'un en rival. C'est vrai que ça fait un petit mois. Alors la carte. Voilà ce que je connais de la galaxie. D'ailleurs, faut que tu revois peut-être tes politiques internes, voir si tu peux pas prendre des trucs intéressants. Ah tiens, je viens de croiser une nouvelle espèce. Bon allez, je vais changer pour une fois. Louons la divine frite. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ok. La ligue de la rasure. Derrière les oiseaux. Ou pas. Oh, ils sont pas top top par contre, les oiseaux. Non. C'est des oiseaux qui aiment avec une bouche bizarre. De toute façon, les plus beaux de l'espace, c'est nous. Hein. C'est nous. Mais t'as pas trouvé d'autres anomalies en surveillant les systèmes avec ton vaisseau de avec ton vaisseau scientifique? Lequel? Puisque... qui a été détruit? Non, bah fort. Non mais j'en ai un deuxième. Parce que j'en ai un deuxième, mais pour l'instant il a rien retrouvé de particulier. Parce que c'est essentiel de surveiller l'ensemble des systèmes pour les anomalies et puis simplement pour savoir ce qu'il y a dedans. Quand tu dis surveiller, c'est faire des reconnaissances? Ouais, c'est la reconnaissance, mais c'est parce que j'ai tout regardé en anglais, du coup je... Là, je me suis demandé s'il fallait re-scanner de temps en temps ou un truc comme ça. En gros, si je continue à surveiller au cas où ça apparaîtrait en cours de route. Non, non. Et puis à partir du moment où c'est dans ta zone d'influence, tu vois ce qui se passe dedans, je crois. Ou en tout cas, tu peux voir s'il y a des flottes ennemies dedans. Je peux faire le poste d'observation. Sur les primitives du monde gelé. Et c'est quoi ton monde de base, toi, leader? Tropical. Ah bah, c'est pas mal, parce que comme ça, tu pourras coloniser des planètes avec cette espèce primitive quand tu l'auras soumis. Il y a beaucoup de vaisseaux qui traversent mes terres. Je n'aime pas ça. Plus exactement, ils seront des esclaves, hein, tant qu'ils ne seront pas à la vraie foi. En plus, ils travailleront pour la gloire de l'Empire. Pour la gloire de notre Empire, ouais. Mais dans station port niveau 3, allez hop, on lance. On répond à Loïc, il est modo depuis qu'il veut mettre des scropoles. Spectateur. Il a eu une promotion scropole, effectivement. Alors je suis à 3 mondes sur 5. Et à arriver à plus de 5 mondes colonisés, il faut mettre en place des secteurs. C'est un petit peu comme les vassaux des duchés de Crusader Kings 2. Et j'avais vu qu'après on peut aussi augmenter le nombre de planètes qu'on contrôlait directement, parce que j'avais vu des screens et des vidéos où ils étaient montés à 9 ou 9-10 planètes. Il y a les technologies qui peuvent augmenter le nombre de planètes contrôlables, mais il y a aussi le gouvernement. Par exemple, une démocratie directe, ça donne plus 2 de planètes. Contrôlable dès le début. La question c'est de savoir est-ce que c'est réellement intéressant ou pas. Une démocratie, t'as dit. Démocratie plus de direct, ça donne plus 2 et tu as un des gouvernements despotiques qui donne un plus 1. Je sais plus quel c'est, je crois que c'est le gouvernement despotique scientifique. Je me souviens. Ouais, je vais mettre l'article du wiki sur le chat. Envoie-le moi en whisper. On t'a déjà donné le droit. On t'a donné non, moi j'ai rien demandé, j'arrive, je mets des liens. C'est pas normal. Normalement, tu devrais être censuré. Ouais. Ça y est, j'ai établi le poste d'observation. Super. Alors, observation passive par défaut, on peut passer en agressif. Un autre lien pour voir si c'est ça. Non, parce qu'il va être mal. Il est pas mal, il y a juste ces messages qui vont être supprimés, non? Au bout de deux, je crois. Au bout de deux, peut-être, mais s'il paye une seule fois, et ce message. Bon, on va pas prendre le risque.
Qu'est-ce que tu fais? Observation passive ou agressive? Ou tu les transformes tous en esclaves? Pour l'instant j'ai que passif ou agressif. Les autres options, j'ai pas les technologies, le savoir. Bah faites du l'agressif alors, non? Bah, de toute façon, on va leur dévoiler la sacrée, les attaquer. Oh! Putain, la probabilité, j'ai trouvé mes cousins, mes frères perdus! C'est exactement moi, mon reflet! Ah, oui. tu fais loin, il est bien pour ces migrants contrés, par contre, on est potes. Ils ont peut-être pas la même religion, mais ils ont la même tête. Infiltration secrète. Eh non, j'ai pas le. Bon, ouais, juste les convertir à leur religion, c'est pas grave. Ils sont peut-être que nous. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'options, il me faut plus de technologie. Des friteurs. Tiens, tu vas aller là. Hop. Donc, ça y est, normalement, j'ai mon stationport niveau 3. Flou qui met de la future purée. On fait pas de purée, on fait que des trucs gras. La purée c'est pas assez gras. La proue d'un ancien croiseur de la première ligue a été découvert. Ah bah peut-être que ça pourrait être. Il y a des anomalies qui permettent de récupérer des vaisseaux, des vaisseaux super avancés de civilisations disparues. La coque est criblée d'impacts provoqués par de gros et de nombreux projectiles. Situation log updated. En tout cas, ça pourra peut-être te donner des technologies. Oui. Chantier d'assemblage destroyer. Merde, ça sort du cadre, j'arrive pas à lire. Alien dedans. Stationport de niveau 4. Ouais, il y a Papiche qui te demande, leader, si ouais. Tu observes des changements entre l'IA de Stellaris et de Europa. Ou Oula, là c'est trop tôt pour en parler. J'ai à peine eu des contacts diplomatiques avec l'IA. Et la seule bataille que j'ai faite, c'était contre des pirates. Qui sont des pirates qui sont suicidés sur moi avant que ma glorieuse flotte ne tombe dans une embuscade. Avant que ta glorieuse flotte te suicide contre un astéroïde. Embuscade. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Peut-être on appellera. On a un embargo sur les avis et les reviews jusqu'à lundi. Je ne veux pas être désintégré par Paradox, donc je ne dirai rien. Tan. Si, on mange des frites. Oui, on mange des frites, c'est ça. Je sais pas, j'ai juste vu que t'avais le jeu, je me suis dit que Paradox t'avait envoyé une clé. Oui. C'est exact. C'est le cas. Mais en échange, on doit rester muet. Je suis là pour surveiller la neutralité. Paradox me paye pour ça. Pour l'argent. Et te paye aussi pour développer la 5P. Ouais. De toute façon, moi, tant qu'il y a de l'argent. De toute façon, c'est ça. Bien. Paradox développe la Space Friends blog et la sainteté. Tiens, je me suis plus soucié de mes colonies. Toi, tu en es où? Ah, ça y est, elle a un deuxième colon. Eh, hey, Dieter. Ouais. Si tu veux le truc un peu drôle, depuis le début, on enfin, là, depuis que tous les streams sont un peu allumés, on est entre le 4ème et 5ème stream mondial. La classe! Et le premier francophone, du coup. Ah oui, ça c'est oui. Ah ouais, 114 personnes, ça fait pas mal quand même. D'ailleurs, au passage, hein, n'hésitez pas à aller sur le site de Bonus Blicus pour ceux qui nous rejoignent. On a des jeux terminés. On a d'autres parties sur d'autres jeux. Ok, tout est construit ici. Quand on fait de la pub, hein, on profite. Oui, ben je colle le lien du forum tout de suite d'ailleurs. Faut. Normalement, il est automatiquement mis, non? Par Moobot? Ouais, le bot, il passe une fois tous les 36 du mois. Ouais, enfin, Moobot, ouais, j'ai l'impression qu'il dort. Il venait trop fréquemment. Moobot, il voit trop de gens. Je suis désolé à tous ceux qui écrivent, posent des questions, du coup, je lis pas trop le chat. Je peux te lire si tu veux. Quand il y a quelqu'un qui pose des questions, ben voilà. Vous m'avez retransmis. Oui, les gros stages. Merde! C'est les autres empires. Ah merde! Chômage! C'est les autres empires découverts. Et il y a aussi Spectator qui dit, est-ce qu'il y a des policiers, ça change. Il y a des décrets. Des décrets par planète, je crois. Des décrets qui donnent par l'influence. C'est à cause de l'influence, ça. Mais en fait, c'est un problème, dites là, tu as du chômage, mais tu devrais changer ça. Tu les transformes en esclaves, il n'y a plus de chômage.
C'est vrai. Attends, faut que je déblaye. Il est totalement d'accord, en plus, avec toute la forme de gouvernement et les traits. Non, mais pour le chômage, il faut juste construire un bâtiment et puis ça s'en va. On a fait ça le plus. Donc je dis, l'esclavage, ça règle aussi les soucis, ça règle aussi le problème. Hein. Oui, non, mais là ça réglerait pas le problème, monsieur. Il n'y a pas assez d'emplois donc. Si t'en fais des soldats esclaves et tu débarques sur des planètes. C'est ça. Non, mais sinon, pourtant, tu peux pas déplacer les populations. Je crois qu'il faut un élite pour. Alors, peut-être. Si, je crois qu'on peut. Faut que je regarde si j'ai l'option. Oui, je te le demande. Mais réimplantation. L'option est grisée pour. Édit, il n'y a pas d'autres planètes principales qui peuvent recevoir des pop. Pour être éligible à une réimplantation, une planète doit posséder une administration planétaire. Ah, je vais voir sur les colonies. Je vais voir un truc à activer. Pour moi, de souvenir, en faisant fait Twitch, ils étaient dans les édits pour prioriser les rations. Alors, le gouverneur, liste des décrets. Campagne de rééducation. Ah, c'est vrai que je m'étais pas encore penché sur les décrets. Rééducation locale qui affirme que la dissension n'est rien d'autre que le produit de l'ignorance et de l'échec de la raison. Et que la Sainte-Fête est la seule vraie foi, c'est ça ? La Sainte-Fête est glorieuse. Émission de propagande. Ce décret crée des techniques de livraison d'informations élargies afin de s'assurer que les processus de mythologie narrative restent cohérents et positifs. Ça, j'avais lu en. J'avais non, lu sur la tech, il l'a débloqué. C'est toujours pareil, hein, ça se fait d'ailleurs. Terre d'opportunité, ce décret crée des campagnes de presse qui décrivent la planète comme étant une sorte de frontière sociale, de quoi, de pointe. Un endroit où tout le monde peut prospérer et bénéficier d'un nouveau départ, c'est beau. C'est le pèlerinage. L'Amérique, c'est l'Amérique. Non, l'Amérique, le pèlerinage. Il y a beaucoup de décrets qui te serviront surtout pour calmer les rebelles, puisque à un certain moment, il y a certaines planètes qui vont se dire. Ils vont créer une faction et ils vont vouloir se rebeller. Et pour les calmer, on leur dira, mais non, tout est rose calmer. Et tout est beau. Ouais, voilà. Par contre, des édits. Je trouve pas cette histoire d'administration planétaire. C'est méchant le malus du chômage ou ça va? Bah le chômage c'est juste qu'il y a une pop il y a une population qui fait rien et qui est perdue. Ça te ouais. coûte de la bouffe mais ça te rapporte rien en échange. Et ça fait le jeu du FN. Jamais oublié ça. Research complete. Ah t'as peut-être pas encore ce qu'il faut pour passer le décret. Ah ça intéressant. Silo ça par minéraux. Contre unité religieuse. Unité religieuse c'est-à-dire que si jamais tu conquérais une planète. Avec conquiers. Les ouais. Ou plutôt tu prends la planète parce que ça nous appartient. Oui, puis c'est plus facile à dire. Oui, mais également parce que de notre position. On va pas passer 3 heures. Alors, guerrier PSI. Des combattants d'élite sont entourés de mystères, blablabla. Ah, c'est les guerriers psychiques, ok. PSI. Ouais. J'ai raté quoi? Ouais. Des guerriers psy, ok. Ouais, on va faire ça, la classe. En plus, c'est une recherche violette, donc j'imagine qu'elle est rare. À un certain niveau, quand on développe beaucoup de technologies psychiques, je pense qu'il y a un moyen de changer le gouvernement en gouvernement psychique, et ça donne des gros bonus. Genre ça promet des choses rigolotes pour le multi, tout ça. Genre pour tout système de recherche, en fait. Non, c'est peut-être une technologie, administration planétaire. Ouais, à tous les coups, c'est ça. Une technologie sociale qui permet de déplacer les pop de monde en monde. Ou peut-être, comme il dit, peut-être qu'il te faut un gouverneur. J'ai un gouverneur sur la colonie. D'accord. Justement, je l'avais mis en me disant que ça devait débloquer des options. D'ailleurs, il est boosté. Moins 25% de délai de construction. Coût de construction, moins 20. Donc ça commence à être un PGM en plus. Donc tu as 3 planètes maintenant. Ouais. Au sujet de la colonisation, les développeurs, à un moment, ils ont parlé J'ai trouvé. Du développement. Du développement ou la colonisation ou du développement planétaire, et ils ont dit qu'au début le développement de full colonisation c'était pas forcément le meilleur à adopter, mais plus un développement de par planète pour s'assurer que les planètes produisent toutes des ressources à un niveau acceptable, une autonomie quoi des planètes. Ouais. Dites par contre on voit pas tes flottes et tout, enfin t'as pas de barre à droite, tu pourrais la mettre. C'est quand on dézoome qu'elle apparaît. Ah d'accord. J'ai trouvé administration planétaire, c'était l'amélioration de la colonie de base. Bonjour messieurs. Bonjour Scramouille. Salut Scramouille. Salut. Salut Scramouille.
vois que tu es en train de... de stellariser. Ouais. Salut Kawa. Salut. Alors tu as fait ta première purge ou toujours pas? Toujours pas. Il peut pas surtout. Oh. Il n'y a c'est pas la tech. Ouais, je n'ai pas l'option. Ah, une tech. Mais c'est une tech qui retire tout esprit de rébellion des soldats. Et hop, tu les auras purgés. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. La taille maximale de la carte, c'est 1000 systèmes solaires. Et un système solaire peut avoir jusqu'à 15 planètes. Mais sachant que là, je suis sur une map à 600. Donc, map moyenne. Pour améliorer ça. Et il y a pas plusieurs formes aussi de galaxies, c'est ça? Ouais, il y a plusieurs formes de galaxies. Il y a les galaxies disques, les galaxies elliptiques avec plusieurs bras. Et il y en a une autre aussi, je sais plus. Bon, j'ai pas vraiment suivi les devs diary de ça. Mais comment ça se fait les couleurs? Oh, le vaisseau, il a la classe! Alors, en fait, justement, c'est pour retrouver rapidement ton pays. C'est comme si t'avais un big blue blob. En fait, le rouge, c'est ta zone d'influence directe. C'est ton empire plutôt, et le jaune c'est ta zone d'influence. Ok. Et là, et jusque là où peut... Oh putain, c'est quoi ce machin? C'est quoi cette menace alien? C'est une bête de... c'est une bête cristalline, et si je me rappelle bien, comme elle est hostile. Et je veux un vaisseau comme ça, quoi. Ah, tu peux pas en avoir. Tu peux juste le buter. Ok, bon, on va purger un peu ce TS. Cramouille, tu t'en vas. Et ça, c'est hostile aux flottes qui pourront passer à côté. Alors, une recherche terminée. L'autocanon, gros calibre qui tire des obus explosifs enflammés. Grande cadence de tir. Plateforme de défense. Bon, plateforme de défense, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je commence à mettre des plateformes dans mes différents systèmes où j'ai des mines. La plateforme de défense, si je me rappelle bien, c'est un vaisseau. C'est une sorte de gros vaisseau en fait, mais qui est sur un seul système et qui peut pas bouger entre les systèmes. Et à la fois, ça a des canons, etc. Et puis ça donne aussi des bonus à ta flotte quand elle est présente. Premier destroyer sorti, deuxième en production. Waouh. Bah ouais, après, n'arrête pas le progrès. Aussi, essaye de voir si t'as pas un module qui te permet de réduire le coût des destroyers ou des corvettes, puisqu'il y a des technologies qui donnent ça pour les spatioports. Putain. Oui, j'en ai fait une tout à l'heure pour les corvettes. Ça réduisait le temps de construction. Et peut-être le coût. Tu commences à penser à t'étendre rapidement parce que là, je vois que les autres espèces sont pas mal. Commence à bien pas tout ouvrir. Ah, en même temps, j'ai mis un certain nombre d'IA, donc... Oui, ouais, il a mis Non, on est bon, parce qu'en fait, dis, tu vas faire comme dans Interstellar, tu vas utiliser le soleil au centre pour gagner en vitesse. T'as pris quoi comme mode de propulsion? Celui de base, en fait. Le standard, le warp. Ah, oh, putain, t'es le wormhole. Bah, non, mais en fait, pour une première partie, on voulait montrer le déplacement normal. Enfin, normal. Alors, pour les combats terrestres, c'est encore une fois, c'est le chat. Pour les combats terrestres, c'est juste un débarquement et c'est l'armée défensive de la planète qui combat l'armée offensive qui débarque. C'est très con, c'est très simple. Et puis après, il peut y avoir des bonus de défense ou des bonus offensifs et il y a plusieurs classes différentes d'armées défensives comme d'armées offensives. Et il y a certains gouvernements qui donnent accès à des armées spécifiques. Comme Il y a des guerriers de l'île, je crois, avec la théocratie. Non, c'est technologique, ça, c'est une technologie. L'armée d'assaut d'élite, une arme anti-bouclier. C'est donné par des despotiques militaires, par exemple. Mm. Tu as des flottes aussi d'élite qui sont données par un autre truc, par... Ah, ça, c'est bien, c'est pour les boucliers, ça. Moi, je vais plutôt prendre des contre-mesures anti-missiles et je vais aller péter la base des pirates, là, la base astéroïde stylée. Est-ce que tu as des recherches qui t'interdisent d'autres recherches ou c'est en gros tout le monde débloque les mêmes choses Alors, c'est des cartes. En fait, tu tires à chaque fois que tu dois prendre en charge, tu tires 3 cartes en fait, dans un deck. Et les 2 cartes que tu as prises sont remises dans le deck, sachant qu'après, non, tu as des technologies, elles ont besoin en prérequis d'autres technologies. Pour être ah merde! Donc en fait, il y a un côté un peu aléatoire. C'est-à-dire que tu je suis en guerre! Oh putain! D'accord.
Rip. Et ce qui fait non, qu'en non, peut-être en, pas, en multi, pas, voilà, pas. En multi, t'auras pas la voie royale toute tracée vers un truc. Par contre, t'as intérêt à produire comme ça. Nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre. Ton poste de sélection, tu règles comment ton poste de sélection? Alors après, pareil pour les, comment pour les cartes tirées. Il y a certains gouvernements qui peuvent donner des bonus où on peut tirer 4 cartes à la place de 3. Et des technologies aussi. Ou des technologies aussi. Corvette, tu refous des destroyers, fais Corvette. Tu penses? Ça fait combien de temps que tu joues le Zid? Depuis 2 heures. Mais ils jouent lentement, enfin, ils prennent son temps quoi. Non mais 30 minutes. Fais voir, ils ont envahi une des systèmes là. Attends, arrête le temps d'abord. Ouais, arrête-toi. Puissance militaire. Arrête le temps. Pause. Ils sont un Dimis. C'est beaucoup. Je sais pas, je peux. C'est 355 en plus. Ouais, il y a du monde. Oula, bah dépêche-toi, faut que tu. Ah, ils arrivent, faut que tu fuis. J'ai envoyé. Bah, j'ai rien en fait, j'ai que des stations minières et des trucs comme ça dans ce système. Ah non, j'ai une colonie. Allez, bah laisse s'occuper de la colonie. Non, ils sont enfuis. Attaque pas, t'es pas assez puissant. Mais ah bon, t'as 242 de puissance, leader. Oui, déconne pas, leader. Intelligent. Fais pas le con, Philippe. Vous êtes un peu des mauviettes quoi. Non mais. Pense à ton empire qui va s'effondrer. La dernière fois que t'as pris une action, je te rappelle que toute ta flotte s'est détruite contre une station de défense. Oui, voilà oui, quoi, fais pas con. Bon, je fais une corvette de plus. Bon, t'as été nommé là parce que tout le monde s'est dit que sur City Skyline, ta ville était bien quoi. Donc, ah bah oui. Faut que tu recrètes des autoroutes. Des autoroutes à l'espace. Ah oui, putain, faut détruire la terre. Construire des autoroutes. Et tu se promènes. Déjà, faut déjà qu'il va attaquer là. Ouais, mais ah, vas-y, ça, c'est pas gagné. Prends ton temps, il est pas encore là. Par contre, quand t'es assez puissant, tu lui défonces. Bah, mais il navigue sur mes terres quoi. Et mes terres à moi. Leader, tu veux dire sur ton espace. Ah merde, il bombarde ma planète. C'est pas grave. C'est pas grave, il a pas de. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, on voit des explosions, mais on voit pas les tirs. Il se sacrifie pour toi, leader. C'est normal, c'est des bombardements. Il se sacrifie. Comme ils disent, c'est des light shows. Ouais, c'est ça, ouais, c'est. Demande de guerre manquante. Ça, c'est la vision Space Frame de Blur, tu vois. C'est ça, ouais. Suggérer les demandes, allez hop. Non, mais te rends pas. Mais te rends pas, tu as peur. Demandent. Non, c'est les demandes. Ah, c'est quoi? C'est ce que eux me demandent? Non, c'est, oui, non, c'est les objectifs que moi je dois ajouter. Vassalise. Vassalise pas, brûle. Ouais. Attends, je glisse là. Détruis-les. Bah, pour le moment, t'as pas assez de. Ah, voilà. Ou je leur demande une planète, voilà. Non. Attends, ils voulaient te détruire, tu dois te détruire. Moi, tu dois tout prendre. Ouais. Négocier. Au sujet des bombardements qu'ils font sur la planète. Qui font sur ta planète, ouais. Ça donne des malus à la population qui est présente dessus. Et ça peut détruire les bâtiments aussi qu'il y a dessus. Et ça peut tuer la pop? Ouais, il se sacrifie, c'est pas grave. Et ça peut, je crois, tuer la pop, mais ça dépend de la politique. Je crois qu'ils ont ramené encore 54%. Comment que je fusionne deux flottes? Il peut pas tuer la pop. Utiliser. Il y aura un bouton regrouper quelque part. Oui. Combiner. Hop. T'as pas encore assez. Il faut qu'au moins que t'en aies 400 parce qu'ils ont amené des renforts, je crois, les ennemis. Bah, c'est bon, t'en as construit un autre. Tu m'as leader. Hein. Construire. De toute façon, au pire, encore une corvette. Tant que t'es pas nombreux, leader, tu vas attendre que les gars ils arrivent. Et tu oui, parce qu'on aura ta station. J'ai 349 de puissance militaire. Crée encore des corvettes. Non, un destroyer peut-être. Un destroyer. Des vaisseaux, évasion. Il faut au moins 400-500 si tu veux gagner. Non, ouais, ils sont des corvettes. Mais un leader aussi, hein, parce que là, tu ouais, vas ouais, pas. Je recrute là. Hop. 349. Et eux, ils avaient combien? Ils ont 400 avec elle. Et merde. Elle fait beaucoup, effectivement. Le deuxième est bien. T'es sûr? Attends, puissance militaire. Ah non, ah merde, il m'indique 27, mais c'est le vaisseau, c'est pas la flotte. Là, 410. Ça permettra d'éviter plus facilement les tirs, je pense. Ils ont 410. Oula, oui, bah t'as le temps, il a pas encore envoyé de troupes. Ça devrait. Faudrait juste que t'aies genre 450-500, ce qui est bien. Ouais, ils sont d'accord. Aussi, leader, il faudrait que tu penses à produire des armées défensives sur tes planètes.
C'est vrai qu'il y a que ma capitale qui a une. Ta capitale, tu mets à fond des défenses sur ta capitale. Armée. Non, c'est le plus important. Recruté. Alors, par contre, ton poste de salvation, tu l'as mis en quoi? En passif pour l'instant. D'accord. Donc, je suis à 5 corvettes, 3 destroyers. Attends un petit peu et fais un destroyer. Parce que là, c'est 70. Ouais, mais c'est long, hein, c'est 170 le destroyer. C'est pas grave, il est fait assez rapidement. Attends un peu. Attends, faut au moins que t'en aies 4. Manque de minerais là, attends qu'il vienne et tu te mets à côté de ta station spatiale. Parce que comme ça, t'auras 600 de défense. Ça risque de faire des dégâts. Ouais, attends qu'il vienne. Ah non, mais est-ce que la station spatiale est toc? Est-ce que c'est une station de défense, oui? Oui, non, est-ce qu'il attaque, qu'il attaque la station spatiale? La station spatiale, je crois qu'elle a un module de défense aussi. Ouais, donc il attaque. Ils se sont barrés. Bon, en gros, t'attends qu'ils viennent, hein? Ouais. T'attends qu'ils viennent, tu détruis toute sa flotte et puis tu reprends tout. Mais après, ils ont dévasté, ils ont dévasté la planète. Ils ont juste quitté. Ils ont quitté la. Ah, ils ont envoyé des troupes. Oui, non, mais il y a eu un échange. Non, ils ont envoyé des troupes. Les ennemis peuvent aussi détruire tout ce qui est station minière ou station d'observation aussi. Donc j'envoie ma flotte là peut-être pour les péter. Non, ils ont envoyé qu'un seul vaisseau de transport. Ouais, mais il va me. Ah, il s'est barré. Ouais. Bah, comme tu veux, mais si sa flotte arrive. Il a fait demi-tour. Non, mais il n'avait plus que 136 de force. Il a envoyé qu'un seul vaisseau de transport. Ce qui, ça va pas faire grand chose. De toute façon, il se barre, tu vois, il se barre. Ouais, mais il m'a dévasté la planète, par contre. T'es sûr? Ouais. Enfin, elle est en négatif en production de nourriture. Ok, bah continue. Attends. Chantier d'assemblage destroyer, parfait. Attends un petit peu et fais un destroyer. Ça te prend du temps, mais ils sont partis, donc du coup, t'en fous, ils s'en fichent. Pourquoi ils sont partis? Regarde s'ils font pas attaquer. Je crois qu'ils avaient dévasté la planète, ils étaient contents. Ouais, mais regarde, ils sont pas après attaqués. S'ils sont partis aussi, c'est parce que l'IA peut choisir plusieurs types différents d'attaques sur dans une guerre. Ou ils choisissent le raid, où à ce moment-là ils font des petits raids et ils attaquent les planètes et ils détruisent des trucs. Ou ils font une attaque générale où ils prennent leur force et ils attaquent l'ennemi. Ou ils sont en attitude défensive parce qu'ils se rendent compte que l'ennemi qu'ils ont en face d'eux, il est un peu plus fort qu'eux. J'ai de nouvelles armes, je peux mettre des canons à plasma par exemple, mais je sais pas si c'est. En fait, faut que je compare. Fais un destroyer. Attends. Fais un destroyer et envoie les chevaliers du. Ouais, le canon à plasma est plus fort que les lasers. Oui, mais là, t'as pas trop le. Non, mais si j'améliore l'équipement de mes armes actuelles, c'est peut-être pas plus mal. Ouais, mais bon. Ça va te prendre du temps. Non, justement, c'est instantané, ça coûte des ressources, mais c'est plus rapide que d'en construire un nouveau, je pense. Bah, ouais, vas-y, commence. De toute façon, faudrait que tu aies au moins 500 de puissance. Si tu veux aller chez eux, de toute façon, t'en faudra plus. Attends un petit peu. Parce que si t'as pas détruit leur flotte et que tu débarques là-bas avec leur flotte plus une station de défense, tu vas prendre cher. Remplace pas totalement par ça. Je sais pas si c'est plus puissant ou pas. Ouais, moi, je laisserais un ou deux lasers quand même. Ouais. Deux. Je te conseille un truc, c'est que tu mets deux lasers dans la prison de fortune, tu mets deux lasers et tu fais full plasma pour fortification éclair. Pourquoi? Je veux bien, mais en fait, pourquoi tu dis ça au pif ou t'as une raison derrière? Faire les lasers bleus, pardon. Bah, laser bleu, ça fait moins de dégâts, mais ça tire un chouïa plus vite. Et la précision est identique. Ouais, la portée du plasma est plus grande, en fait. Ça, il tire plus lentement, mais il tire plus loin et plus fort. Les en moins 1, parce que je pense que. J'ai remis un laser plasma bleu. Plasma, fais voir plasma. Plasma. Les modifications du plasma. C'est les modifications. Ah, les stats. T'as raison, c'est mieux puissant, c'est plus puissant, mais. Ça tire un peu plus lentement. Donc en fait, en termes de DPS, ça se trouve, ça se vaut, mais le plasma commence à tirer de plus loin. T'as une flotte qui est débarquée, hein. 547. Oui. Ils sont chez toi. Merde. Attends, lui, là, on a 30 secondes de décalage par rapport à leader. Fuis. Non, ils ont été sur Mius, ils ont été dévastés ma deuxième colonie. Ils sont pas sur mon monde à moi. T'es sûr? Ouais, regarde. Certain. On rappelle qu'on est en Iron Man, hein. C'est pas grave, c'est un début. C'est bien de le préciser, tu vois, si j'avais l'histoire foire. Bizarrement, je sens que la grande frite aura un petit peu de mal dans l'avenir. Bah, en même temps, c'est normal, enfin, je veux dire. J'ai suivi ce qu'on me disait de faire, hein. Je les ai tous insultés.
mais c'est pas grave, on va y arriver. Déjà, après, je vais gagner en dégâts. C'est normal, ce sont des hérésies. Après, je peux aussi augmenter le blindage. C'est de la chance aussi. Tous les jeux paradoxes, c'est de la chance. Soit tu as de la chance et les événements s'enchaînent pour que tu réussisses à prospérer, soit tu t'as pas de chance. Et... 547. Enfin, putain, il y a encore des renforts qui arrivent. L'insulte y était pour quelque chose. Ça a pas aidé, oui. Ouais, bon, attends. C'est une hérésie, hein. Il faut qu'ils comprennent aussi. Hein. Ouais, faut quand même. Ah putain, ils sont 600. Oh. Non, ils vont être bientôt, ils vont aller vers les 500 là, il y a 54 qui arrivent en plus. 700, ils sont 700 bientôt. Faut que tu restes dans ton. Bah, de toute façon, tu peux pas aller autre part, sinon tu vas te faire défoncer. Hop, j'ai fait un 4ème destroyer. Mourir. Je t'avais dit, leader, de faire de la flotte. Bah oui, mais je le fais. J'avais senti venir ce coup-là. N'oublie pas, ils ont des boucliers, toi t'en as pas. Ah, en plus ? Ah, ils ont des boucliers, ouais. Oh putain. Destroyer. Alors, un petit stropole, votre sentiment sur la guerre, never surrender. On va se Ah, mais j'ai mis du bladage composite. La partie est terminée. Le roi Jenking. Non, c'est pas ça, c'est le roi Jenking. Désolé, je sais pas quelle est la référence, mais bon. C'est un mec, c'est en haut. En fait, c'est le mec qui préparait un raid et. Le mec il était HK et les instructeurs ils se préparaient, ils prennent leur temps. Le mec il débarque, il dit bon, ok, on va le faire. Et ils font dans l'instant, c'est en criant Levi, Jake. Et il aggro tous les mobs. C'est ça, il aggro tous les mobs et ils sont tous défoncés. Je sais pas pourquoi ça correspond bien à la situation. Et ce qui est marrant, c'est que t'entends les commentaires. Ah merde, ils ont 600 de force maintenant, 650. Bon bah, il y en a beaucoup qui votent pour la solution numéro 4. Ah mais attends, c'est une référence tellement... Oui, mais je la connaissais pas, voilà. Oh là là, ils sont 700. Merci en tout cas pour les précisions. Ils sont 700. Ils sont 700 avec les 3 heures, peut-être. Attends qu'ils viennent chez toi, je pense que le meilleur moyen de gagner, c'est d'avoir qu'ils viennent chez toi. Ah mais du coup, il bloque complètement mon développement, puis il dévaste mais tu fais ta flotte, tu fais ta flotte, attends qu'ils viennent et défonce-les. Bonne partie pour les abandonner et les destroyer. Tu as beaucoup prêché la frite, les carottes ne sont pas cuites. Et qui part ? Oh là là ! Putain, non, mais il va falloir que t'ailles te coucher, Benoît, non ? Ah, tout va bien, tout va bien. Bah, va dormir, Benoît, on s'occupe du reste. Ah, tout va bien. Eh, hey, moi j'étais debout à 6h du matin pour filer la cladite. Mais lui, il était pas debout. Oh, le salope. Pourquoi on te dit tout ce qu'on fait pour toi ? Même pas un peu de respect. Toi, t'es même pas capable de te lever un peu plus tôt, quoi. Mais je suis très touché que Benoît m'ait attendu depuis 6h du matin. Les alliés avec Armanis, ça n'existe pas. Et le pire, c'est qu'ils n'auraient même pas la Sainte Frite. De l'avoir appelé à 10h en le réveillant, quoi. Dis, il y a un problème avec les liens, parce que tout le monde peut mettre des liens. Alors, Armanis, non, il n'a pas d'alliés parce que ce sont tous des hérésies. C'est ça. Je pourrais peut-être chercher des alliés dans l'espèce qui ressemblait à moi. Maintenant que j'y pense. À mon avis, c'est mort. Hein. Je les ai pas insultés, justement. Que l'IA veuille bien s'allier avec toi pour en temps de guerre, c'est peu probable. Ouais. Construction complete. Vims va mourir. En guerre. En une ambassade. En fait, les seuls qu'on respecte, c'est ceux qui en fait sont la même espèce que nous, mais ils se sont trompés de voix, toi. Ouais, qui sont aussi des. Ah là, je les ai trouvés. Leur opinion de nous. Pas dire. Mais ah, ils sont assumés, hein. Quand t'es moche, t'es moche. Hein. Ils m'aiment bien en plus. Communiquer. Vous voulez pas. Inviter dans l'alliance. Hein. Nous devons être en paix. Ah merde. Bon, c'est problématique. Non. Établir une ambassade. Allez hop. Bon, je reviens. Enfin, les gars, je reviens. J'ai envoyé une ambassade, on va préparer l'avenir. Okay. T'inquiète pas, on prépare la nouvelle partie. D'accord. 700 de puissance maintenant leur flotte, la mienne est à 500. Continue à faire des destroyers, continue. Bah, j'essaye, mais je produis pas un rythme suffisant. Bah, de toute façon, t'as pas le choix. Ils sont à combien de puissance ? 700. Ah non, c'est peut-être que des croiseurs. Hein. Bah, non, il me semblait que c'était une énorme masse de destroyers, de ce que j'avais vu. De corvettes, c'est ça, une énorme masse de corvettes. Ils ont que des corvettes, même. Bah, de toute façon, t'as pas le choix, faut que t'attendes qu'ils viennent. S'ils viennent te rejoindre. Peut-être que c'est surestimé, du coup, leur puissance, vu qu'ils ont des corvettes et que moi j'aurais des destroyers. Non. Bah, attends, cacher mes rêves. Attaque, hein, tant pis. S'ils font, on commencera une partie avec autre chose que.
Ouais, au pire on fera un truc. Un truc plus pacifique. Oui. Je construis un destroyer de plus et j'y vais. Après, je pense que pacifique n'est pas dans l'esprit Mundus. Non, Manix. Moi j'ai une idée. Et après, l'éthique pacifique sur Stellaris, je pense que c'est une toute autre façon de jouer. Parce que ça donne quand même des gros malus en temps de guerre. Ouais. Non, moi je pense que Manix entendait par pacifique un truc genre les capitalistes, tu vois. La politique américaine. Non, pacifique. Oh. Mais c'est pacifique. Bâtiment inactif. C'est pacifique. Tu interviens, tu fous la merde dans un pays, mais t'es pacifique. Ouais. America. Une petite démocratie indirecte ou directe. Ouais, mais j'ai besoin d'économiser mes ressources. Ah, il y a la famine sur une de mes planètes. Ah bah c'est celle qui se fait bombarder. Ça paraît logique. Donc là, c'est pas grave. La question était posée, mais il faudrait que notre ami Jurel y réponde. Et il y en a qui dit, du coup, full corvette au début, c'est pas plus rentable. Alors, le truc, c'est que les corvettes on sont le plus bientôt. Faibles que les destroyers. Et qu'on a une histoire de force. Le truc, c'est aussi... Hein. Au début, les corvettes, bah, c'est un petit peu le seul truc qu'on a. Et du coup, je pense que à arriver au stade d'après le destroyer, je crois que c'est ça le deuxième stade, c'est le... Oui, c'est le deuxième type de vaisseau, destroyer. Oui. Donc... Et après, croiseur. Bon, tu dis quand tu vas commencer à taper dès que mon dernier vaisseau sera sorti du hangar. C'est bien de les spammer un peu jusqu'à arriver à une composition vraiment plutôt développée avec des croiseurs et des battleships. Donc au début destroyer croiseur et puis après tu mélanges destroyer corvette et après destroyer le croiseur quoi. Du coup au début beaucoup de corvettes et quelques destroyers et puis ensuite on veut se développer de manière plus précise. Dans l'éventualité d'une défaite, quel est tous pour le prochain empire? Envisager la défaite, c'est déjà mettre un pied dedans. C'est Astropole. Plus matérialiste du coup, puisque finalement le spiritualiste ça a pas l'air de trop marcher, non? Moi je dis plus militariste. Après, ouais, il y a déjà Astropole, il y a matérialiste, spiritualiste, pacifique. Tu pourrais jeter, leader, tu pourrais jeter un œil sur les ethos de. Du peuple qui te fait la guerre. Pour voir. Il faut que tu refasses un spectateur. Pour voir si les militaristes. Ils sont quoi? Ah tiens, je vois leur commandant ce qu'il a. Attends, je regarde. Merde, c'est ouf. C'est que je suis en guerre. Et Vandaillé. Ouais, il n'y a pas militariste, c'est ça, il manque. Ouais, il y en a 7, ils manquent militaristes. Donc du coup, faudrait... Alors, ils sont... Commençons un vrai spectateur. Ils sont collectivistes et spiritualistes. Ouais, mais ça compte pas. Tu... 575. Ils ont 680. On tente le fight. Go. Pour la sainte frite. Non. Genre, je demande d'attaquer. Salut Tiger. Non, c'est déjà jouable parce qu'on a reçu une clé en avance pour le présenter. Enfin, pour y jouer. Mais je comprends. Pourquoi ? Ah voilà, pourquoi j'arrivais pas à leur dire d'attaquer. Bon. Pas que nucléaire, c'est polluant. Ça a d'autres effets. J'augmente la vitesse. Ma flotte arrive. This is the war. Ça y est ! Ils ont 100 puissances de différence. Chut. Oui, mais nous on a la foi et un bon commandant. La foi en la street, croyez en la bon camp street. Vas-y, par contre, tu mets une vitesse lente, qu'on profite du combat. J'ai remis en normal. Ils ont pêché. Station. La bataille proche. Et leader, peut-être ça peut passer sous un soleil là. Vous pouvez te rêver. Freedom. A priori, j'ai quand même un petit peu le dessous. Non. Sans blague. Oh là, ça pute. Ah, ils ont les lasers découpeurs là qui sont spammés.
Au niveau de Frontoel, on a vu un peu comme ça. Ah ah, j'en ai détruit un. Moi je dirais un autre. Boom. Bon, deux votes sur peut-être un xénophobe matérialiste. Deux sur matérialiste. Ah, il y a du, encore du matérialiste. Ouais, non, militariste, collectiviste, pas mal voté pour l'instant. Ils sont tombés à 492 de puissance et ils ont des vaisseaux amochés. Ouais. Si j'avais une deuxième flotte de puissance équivalente, je pourrais leur latter la gueule maintenant. Encore faut-il avoir une deuxième. C'est vrai. Bon ben voilà, eh bien, c'était une belle parodie. Bravo, Dider. On applaudit tous Diderlord. Attends, je vais essayer de... Attends, je vais voir. Pour la propagation de la foi... C'est pas fini, je vais essayer de négocier la paix, on va voir qu'est-ce qu'ils veulent. Et ils surtout, je vais pouvoir voir l'interface. Ils vont prendre toutes tes terres, à mon avis. Priez pour la frite. Pour la frite. Et du coup, ce ne sera plus la sainte frite, je ne sais pas encore ce qu'on peut mettre, mais fini la sainte frite. Ce sera plus religieux, je pense. On n'auront jamais de mayonnaise. On a 4 militaristes. Alors, ouais, ouais, demande de l'ennemi. Il veut que je cède mes 3 planètes. Bon, et bah la ouais, c'est des demandes rationnelles, c'est ça qui est bien. De toute façon, on est là pour tester le jeu. Puis, Alors, comment on négocie ? J'ai écrit, écoute. Est-ce qu'ils peuvent s'habiter ? Bah, sachant qu'il n'y a pas de nos demandes, demande je de suppose l'ennemi. Que bien sûr, oui. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un système genre t'as malus si tu refuses l'épée, quoi. Bah, c'est l'occupation. Et pareil que dans Europa Universalis, les populations peuvent se rebeller. Il y a plus de chances qu'elles se rebellent quand elles sont occupées. Et qu'elles prennent leur indépendance. J'ai fait capituler. Ha ha, j'en ai mal à l'estomac. Tellement je ris, voyons un peu de sérieux, lézard, vous êtes en train de perdre cette guerre. Propagande. Bon. Je les crois pas, c'est de la propagande. J'ai pas vu qu'on avait perdu. T'appelles lézard. On a eu une légère victoire dans mes souvenirs. Alors négocier. Tout ça fait partie de la stratégie. Attends, je capitule pour... J'essaie de capituler pour deux planètes. Ouais, mais bon. Tu vas pas te relever après. Bon, s'ils veulent pas, leader, est-ce que la prochaine tu peux faire des humanoïdes et on fait un truc. Humain comme dans Isaac Asimov et la Non, fondation. Des chevaux. J'en ai mal à l'estomac. Bon, d'accord, non, il veut pas. Même deux planètes, il veut pas. Il veut les trois. L'enfoiré. Donne-lui tous tes vaisseaux. Attends, ouais. Quel vaisseau ? Y a plus de vaisseaux. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah je capitule pour 3 planètes. Cette guerre est finie pour nous. Nous sommes victorieux. Le pire résultat possible. Défaite. Nous avons perdu cette guerre et nous avons accepté les exigences suivantes. Ok. Nous n'avons plus rien. Défaite totale. Votre empire a été détruit. Vous pouvez choisir de continuer le jeu en tant qu'observateur. Oui. Ou quitter. Ouais. Ah, tiens, hop. Attends, continuez. Observons. En vitesse 5. Alors, ah, je vois toute la galaxie. On est sur du militariste matérialiste. Des choses saines, quoi. Des choses magnifiques. Militariste matérialiste. Est-ce que ce serait plus militariste ou plus matérialiste? Ah, plus matérialiste. Eh, par contre, Deezer, tu remarques quand même que t'es dans un coin où il y avait beaucoup d'autres civilisations. Oui, il faut que t'en mettes moins. Il faut mettre 20 civilisations pour commencer, évidemment. Ouais, je pense qu'il aurait pu t'en mettre 17. Je crois qu'il y a des endroits où c'est un peu plus dense que d'autres. Bon, je mettrai un peu moins d'aliens pour la prochaine partie. Je peux le mettre en très très grande vitesse, comme ça on voit ce que ça donne en late game. Oh bon, on n'y arrivera pas vite au late game. On n'y arrivera pas. Non, j'essaie de voir s'il n'y a pas une bataille ou une guerre. Oui. Tu veux intervertir ou tu veux tester, Benoît? Comme tu le sens. Bon, si tu veux, je te laisse la place. Comme tu veux. Pas de soucis. Je sens que tu es chaud, hein. Tu vas devoir le télécharger. Allez. On va regarder du Benoît. Du coup, je vais passer le relais à Benoît qui va reprendre Estellaris et le Twitch. Dans 30 minutes, par contre. Hein. Dans 30 minutes. Ah. Bah oui, faut télécharger. Ah oui, c'est vrai. Mec. c'est un peu le souci de la situation, leader. C'est pas faux. D'où le fait que je te pose la question, en fait. Bon, dites, continue jusqu'au souper et pendant le souper, tu télécharges. Enfin, pendant le dîner pour vous.
Non mais dis-tu, il a pas mangé. C'est pas grave, il a pas besoin de manger. Je n'ai même pas déjeuné, hein, pour info. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin. Ouais, c'est levé, c'était... Mais c'est pas grave, Dider. On a joué combien là? Joué 3 bonnes heures? La sainte frite. Je crois que je pourrais faire une pause et aller casser la croûte. C'est pas plus mal. Benoît, tu reprends pour cet après-midi? Ok, bah on se décale dans le studio juste pour faire les 2-3 ouais. manips. Donc tout à l'heure, Benoît revient. Je vais couper le Twitch. Vas-y, dès que t'as... Retour bureau. Tu le dis dès que t'es coupé, parce qu'on est quand même des infos. Donc, ciao et à dans 30 minutes.